Retrouvez tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV. It's playoff time, salut à tous, ravi de vous retrouver sur Vosges TV ou Fansite pour suivre cette rencontre entre les Wildcats de l'Épinal Hockey Club et l'Étoile Noire de Strasbourg. Premier match de cette série, des quarts de finale du championnat de France de D1 2022-2023. À mes côtés, pour vous faire vivre cette rencontre en direct de la patinoire de Poissompré, bien évidemment pleine à craquer, Stéphane Claudez et l'ancien gardien spinalien Nicolas Ravel. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va, super. Salut Nico, ouais, tout va bien. Bon, on a vécu une saison intense messieurs, mais c'est un moment toujours très attendu que ces playoffs. Je me tourne vers vous Nico, l'ancien joueur. Ouais, évidemment, c'est le moment qu'on attend tous et on joue hockey pour ça, pour ces moments-là. Donc je pense que tout le monde est prêt et a très envie ce soir que cette série commence. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le petit récap des affiches de ces quarts de finale à l'issue du classement de la saison régulière. On va vous envoyer ça. Sans plus attendre, on rappelle que Dunkerque a fini en tête avec 51 points. Les Corsaires qui se trouvent confrontés au Bison de Neuilly-sur-Marne, 8e. Épinal donc face à Strasbourg, 4e et 5e. On va revenir sur le scénario de la toute fin de championnat. Et puis les deux autres affiches, Brest-Tours et Caen-Cholet. On va rappeler donc qu'Épinal a terminé 4e avec 44 points et a entériné sa place, on s'en souvient Stéphane, lors de la toute dernière journée. Oui, la toute dernière journée à Chambéry. Et puis cette quatrième place a été acquise également par la défaite de Strasbourg à Dunkerque, ce qui a permis aux Spinaliens de coiffer les Strasbourgeois au poteau pour le top 4. Voilà. Les deux équipes ont inversé leur place, quatrième et cinquième du coup. C'est Épinal qui a l'avantage de sa glace. On rappelle la formule de ces playoffs et de cette série des quarts de finale. Donc au meilleur des cinq matchs, donc il faut trois victoires. Les deux premiers matchs à domicile ce samedi soir et demain à 19h. On ne vous diffusera pas cette rencontre, mais vous pouvez trouver le résumé lundi. Ensuite, mercredi et jeudi en Alsace si nécessaire. Et bien sûr, dimanche, retour à Épinal dans une semaine s'il devait y avoir un match 5. Épinal retrouve donc son meilleur ennemi, Nico, Strasbourg, l'Étoile Noire. C'est une belle affiche au final. Ouais, tout à fait, c'est une super affiche. Après, on sait que c'est un adversaire qui ne réussit pas forcément. Ouais. Mais bon, moi j'ai espoir parce qu'une série se termine forcément à un moment et je pense qu'il est temps qu'elle se termine. Strasbourg, c'est la bête noire, Stéphane, vous avez les stats en tête. C'est la bête noire, ouais, c'est 5 matchs en D1, 5 défaites. Strasbourg connaît clairement parfaitement notre système de jeu. Épinal a toujours beaucoup de mal à développer son jeu offensif contre l'Étoile Noire. On va voir sur une série. Bon, les playoffs, c'est un autre championnat. On espère tous que les joueurs spinaliens vont pouvoir aborder différemment cette phase de jeu et vaincre enfin le signe indien. Ouais, c'était des matchs souvent âpres et serrés, ça sera encore le cas sans doute ce soir. Ce qui va jouer, c'est surtout l'enchaînement des matchs, le rythme, l'enchaînement physique. Ouais, la récupération sera importante. Épinal là-dessus a tourné à 4 lignes quasiment toute la saison, donc je pense que c'est un paramètre important avec deux matchs en deux soirs. Bon, on verra côté strasbourgeois aussi comment on va pouvoir s'aligner, les rotations que les coachs vont décider au fur et à mesure de la série. Vous l'avez dit, les Alsaciens partent avec un avantage psychologique de 5 victoires en D1 lors des 5 dernières rencontres. La dernière victoire d'Épinal face à Strasbourg, c'était en Coupe de France en octobre 2020. Il y a une vraie opposition de style, Nico, ce soir. Ouais, tout à fait. Après, je pense que Épinal, comme le disait Stéphane, a les armes pour s'opposer à Strasbourg et à récupérer correctement. Le club progresse et je sais qu'il fait le nécessaire pour que les joueurs aient de la cryothérapie par exemple et plein d'infrastructures nécessaires pour récupérer un maximum entre les matchs, ce qui va être très très important sur une série comme celle-là. Bien évidemment, on attend les joueurs spinaliens qui ne vont pas tarder à entrer sur la glace. Les supporters sont prêts, on a fait le silence pour l'entrée de l'Étoile Noire et maintenant on brandit des pancartes aux couleurs des Wildcats. Je le disais, opposition de style, Épinal est la deuxième attaque, Strasbourg la troisième défense, et attention surtout aux stats en power play, box play, Stéphane. Alors là, attention, oui, il faudra être très très discipliné ce soir, parce que Strasbourg a tout simplement le meilleur power play de la Ligue, avec 21% de réussite, et Épinal, inversement, on n'était que 12e sur 14 équipes en infériorité numérique. Allez, donc discipline sera l'une des clés de ce match, et probablement de cette série.
Voilà, vous pouvez suivre l'entrée des joueurs spinaliens au plus près grâce aux équipes de Jérémy Combe qui est aux manettes aujourd'hui. On salue également Manu Seitz en régie. L'arbitrage a souvent été pointé du doigt cette saison, messieurs, notamment lors du dernier match à Dunkerque. Vous étiez là tous les deux aux côtés de Jean-François Verrier qu'on salue. Et c'est un quatuor qui officie samedi soir pour cette phase finale. Oui, arbitrage à 4 pour cette série de D1. Ça va être le cas normalement pour tous les playoffs. Arbitrage à 4, théoriquement, ça siffle plus. Bon, sauf qu'en playoff, on laisse plus jouer aussi. Donc, traditionnellement, on va avoir un engagement soutenu, surtout dans un derby. On va voir l'un des arbitres, Monsieur Père, officie en Ligue Magnus. Ouais. Donc, ça sera un plus pour cette rencontre et pour le derby. Monsieur Levasseur, l'autre arbitre, est déjà venu plusieurs fois à Épinal. Alors, Épinal est au complet. Il y a un tout petit changement dans les lignes. On va vous expliquer ça. Armand Jaillet de retour après son entorse acromio-claviculaire. Nathan Gantz, ces derniers temps, est souvent absent en raison de sa formation d'entraîneur. Ce qui fait que c'est Lucas Bonny qui est promu sur la troisième ligne aux côtés d'Alexandre Lubin et d'Armand Jaillet. Lucas Bonny, notez-le, le jeune belge qui sera l'invité de l'émission Côté Sport lundi à 19h. Et sinon, pas trop de changements par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Juste les duos défensifs qui avaient été changés. Hein, Stéphane. Oui, quelques petits remodelements, notamment dus aux blessures qu'il y avait eu. Et bon, là, maintenant, ça va se réajuster avec des paires défensives bien rodées depuis le début de saison. Bon, il faut un bon gardien pour réussir en play-off, bien évidemment, Nico. Là, on a pas ce qui se fait de mieux, mais en tout cas, deux très bonnes références de part et d'autre. Ouais, tout à fait. Après, on connaît très très bien Antoine Bonvalo maintenant. Et de l'autre côté, c'est Jadlovski, qui est un gardien slovaque et qui est une référence du championnat de D1. Il a des excellentes statistiques. Et ses capacités ne sont plus à prouver. C'est un très gros gardien. Voilà, il y a 91,95% d'arrêt cette saison, c'est le cinquième meilleur gardien de D1. Il a joué l'intégralité des matchs pour Strasbourg. Bien évidemment, ce n'est pas le cas d'Antoine Bonvalo. Pardon, vous en souvenez. Voici les deux hommes à l'image. Pardon. Oui. Après, on sait que ça va être une des clés. Hein. Ça va être une des clés. En général, quand on perdait contre Strasbourg, c'est souvent Thomas qui faisait le travail. Donc ouais. Thomas Jadlovski qui est un excellent gardien. Ouais, victoire très serrée de l'Étoile Noire lors des dernières rencontres. Ça s'est joué à pas plus de 2 buts d'écart. La dernière, c'était ici, 3-2 au tir au but, fin février. On avait commenté, bien évidemment, cette rencontre. Voilà, le coup d'envoi fictif effectué par un sponsor aux côtés de la présidente Anne Moffret et du capitaine de cette équipe des Wildcats, Martin Charpentier, qui arbore toujours une grille de protection en raison d'un palais ou d'une crosse. C'est une crosse qu'il a prise, c'est une fracture au visage, tout à fait. Je tiens aussi à souligner la présence d'Enzo Labat à Strasbourg, qui est un ancien spinalien, il a été formé au club. On connaît également son papa. Julien, pardon. Ouais. J'ai un truc de mémoire, Julien Labat qui a officié dans les buts à Épinal il y a très longtemps. Voilà, Enzo Labat qui fait partie de ce groupe élargi, mais qui, sauf erreur de ma part, n'est pas sur le banc ce soir. Mais on salue toute cette famille de hockeyeurs. C'est parti sur la glace de poisson. On prend tout de suite la pression sur ce palais récupéré par les Wildcats qui se projettent immédiatement vers l'avant avec la première ligne. Vous avez vu Dominique Fugéric aussi qui arbore une grille de protection suite à sa fracture de la face. Tout de suite une première occasion. Oh, oui, c'est bon, passe. Et but. Et oui. Annulé par l'arbitre de suite. L'arbitre avait le bras levé. Ouais, en raison du contact avec Jadlovski sans doute. Ouais, ça commençait très très bien pour Épinal. Sur les chapeaux de roue, ouais. Grosse entame. Du coup, but refusé et probablement logiquement obstruction sifflée contre le spinalien. Allez, on va voir ça tout de suite grâce à nos équipes. Se retrouver en infériorité numérique. Voilà. Ouais, tentative de Nechala. C'est Fugéric qui est venu buter sur Jadlovski. Est-ce qu'il est poussé? C'est ça la question. Je sais pas si on peut revoir encore le ralenti. Ouais, il perdait l'équilibre. Ouais, donc première infériorité numérique du côté d'Épinal. Oui. Et premier tournant, hein, puisqu'on l'a dit, ouais. Strasbourg a le meilleur power play de la ligue. Donc attention, gros danger. Après cette première opportunité, ce premier but invalidé suite au contact sur le gardien Jadlovski, les Strasbourgeois ont d'emblée l'occasion d'inverser la tendance. Voilà, c'est un derby qui promet, on vous l'avait dit. À noter que c'est aussi une belle opération pour les clubs et pour les spectateurs, bien évidemment, qui peuvent assister au maximum de rencontres. C'est des petits déplacements aussi, ça fait des économies non négligeables pour les clubs. Et puis économie d'énergie, hein. Moins de fatigue bien sûr liée au déplacement. Allez, premier lancé, on cherchait la déviation devant le but d'Antoine Monvalo.
C'était Sosanski, le top scorer strasbourgeois qui avait effectué ce lancer. Voilà, il va être important. Intercepté, dégagement. On gagne un petit peu de temps. 30 secondes déjà qui se sont écoulées. En infériorité numérique pour Épinal. Vous le disiez, Sosanski, le tir de côté, bien capté par Antoine Monvalo. Jérémy Côté qui est à 9 buts, c'est le meilleur buteur hein, du côté de l'Étoile Noire avec Sébastien Trudeau. Il n'y a pas de gros scoreur, hein, contrairement à Épinal, où on a Peter Valorchak qui est le deuxième meilleur buteur et sixième meilleur compteur de D1. Oui, c'est ça, une équipe compacte sans gros scoreur. Hein. Sosanski, leur top scoreur, est 23e seulement au classement des compteurs de la D1. Mais beaucoup de joueurs peuvent Ils ont des anciens joueurs comme Trudeau, comme Olive qui. Duras, des joueurs d'expérience. Ouais, tout à fait, qui font le travail. Allez, palais pour l'Étoile Noire. Encore une minute d'infériorité numérique pour Épinal. On est entré dans en zone offensive. Ouais, bonne défense, et c'est Max renvoyé. Martin qui a dégagé. Une minute encore à la pénalité appelée contre Fougéric. Très bien, là on perd du temps. Mettre un petit peu de temps à se relancer derrière la cage. Joya qui va au pressing. Passe derrière avec Duras. Passé. C'était pas bien. Ouais. Ouais, attention, le tout tir dans l'axe. Le rebond. Le palais qui traîne, il est rentré, non ? Non. Il a rebondi sur le filet à l'extérieur. Grosse occasion là de l'Étoile Noire. Ouais, les premières gouttes de transpiration là. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être déjà le premier tournant du match hein, avec cette infériorité numérique. Si, ce n'est pas fini. Nouvelle occasion pour Strasbourg. Allez, Forest. Installé. Oui, il a perdu le palais. Oui. Situation de compte pour Philippe Nemchek qui est tout seul. Oui, oui, but. Joli but entre les jambes. Super Philippe but Nemchek. Superbe but en contre, ouais. En infériorité numérique. Et Pidal qui ne pouvait pas mieux commencer après ce premier but refusé. Le powerplay strasbourgeois, il y avait gros danger et une belle occasion de l'Étoile Noire. Et là, c'est échappé de Nemchek, tel un penalty. Ah, c'est une série qui démarre très fort là. Ouais. On a des occasions chaudes de part et d'autre et vraiment ça fait plaisir de voir ça. Ouais, ça va se jouer à rien ce soir. La moindre erreur de part et d'autre sera lourde de conséquences. Et 1-0 grâce à Philippe Nemchek. Ouais. Allez, on réengage. C'est gagné par Épinal. Épinal qui va revenir au complet. Ouais. Oui, pénalité tuée, voilà. Oudjan au pressing, et les Strasbourgeois qui vont relancer. C'est une bonne chose d'avoir marqué le premier but contre Strasbourg. Ouais, parce là, ça fait du bien. Avec cette défense de l'Étoile Noire. Et un gros pressing d'Épinal hein, qui va presser et obliger l'adversaire à faire des fautes. C'est comme ça qu'il récupère ce palais. On va pouvoir rentrer en zone. Rudzan qui est passé. Et Markovic de l'autre côté. Non, il ne va pas arrêter de ce palais. Ça repart tout de suite dans l'autre sens avec Forest, chassé par Goudzan justement. Le palais Spinalia. Charpentier avec Lubin, on lance devant. Lubin qui suit son action. Jaya qui vient presser également. On arrive à relancer. Un bon travail de la troisième ligne là, qui presse bien l'adversaire et qui ne les laisse pas s'installer. Strasbourg dans la zone d'Épinal. Ouais, eux qui renvoient dans le fond. Intercepté par Donet, il n'a pas réussi à garder le contrôle du palais. Pousse au duel. Mène ça dans la bande. C'est sorti. Ouais, c'est bien défendu, on renvoie dans le coin. Attention, ouais, attention à cette situation. Ouais, c'est récupéré par Donet. Allez, Donet qui passe la rouge et qui balance voilà. Au fond. C'est bien joué. Permet de changer les lignes. On reste en possession du palais, on change de ligne comme également côté strasbourgeois. Ça temporise. Épinal qui a mis sa quatrième ligne avec Pernaud, Gantz et donc Maxime Martin qui est défenseur habituellement mais qui officiera en attaque ce soir. Ouais, ça fait partie des petits ajustements. Ces derniers temps, c'est Maxime Ritz qui jouait attaquant, qui est revenu en défense aux côtés de Preston Ames, un duo qui fonctionne très bien. Oui, puis Maxime Martin avait déjà officié en attaque contre Dunkerque et ça s'était plutôt bien passé. Donc on voit qu'il met beaucoup d'intensité. Gros pressing, beaucoup d'énergie côté spinalien pour l'instant.
Franck qui tente sa chance, c'était cadré là, ce tir sur le demi-tour. Hop, Fugéric. Non, pas les perdus, récupéré par Franck. C'est compliqué la vie, mais c'est bon. On a chassé le Strasbourgeois en zone neutre. On va être obligé de reconstruire côté étoile noire. Fugéric qui est moins en vue ces derniers temps, c'est assez logique vu sa blessure. Il tient sa place sur la glace. Et Olive qui a passé la bleue. Oh oui, attention, avec un gros arrêt pour Antoine Bonvalot. Super barré de la botte. Cette passe de Olive pour Duras pouvait faire mal. Le sniper slovaque avait trouvé la mire, mais Antoine Bonvalot a réussi à lancer la botte. C'est bien, ça rassure un petit peu Antoine après l'occasion un petit peu tendue de tout à l'heure. On va voir le ralenti, un centre, un tir, alors qui est dévié par la botte ou par le bouclier. Ouais, j'ai pas bien vu sur ce ralenti. Allez, la pression Spinal et le dégagement de Yadlovski. C'est vrai qu'au hockey, l'importance du gardien est capitale et encore plus en série. Hein, je rappelle, oui. Tir de Markovic dans le mouvement. Je pense que Nico Ravel ne me contredira pas. Là, l'impact du gardien est tout décisif. Tout à fait. Et puis, avec des matchs à répétition, c'est bien de bien rentrer dans la série. Oui, bien joué. Markovic fait le tour. Oh, dommage, il aurait dû tenter sa chance. L'inspiration était belle. Ouais. Peut-être était un peu gourmand là, Rudzan. Ouais, Rudzan aurait dû. Il récupère plus perso. Gros pressing des Verts et Noirs en tout cas. Burgos Ramirez qui monte le puck. Olive. Recherché devant, il n'y avait personne. Lucas Bonny. Avec Jaya. Jaya toujours. Hop, on essaye de faire le tour, de relancer devant. C'est bien, ils mettent du trafic devant le gardien, ils essayent d'envoyer le palais sur la cage, c'est ce qu'ils peuvent faire sur cette troisième ligne et ils le font plutôt bien pour le moment. Le palais récupéré par Lubin, essaye d'y aller tout seul, arrêté par la défense de l'étoile noire. Jaya qui vient l'aider. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. Scrodet fonde à 12, mais personne en soutien. Les Spinaliens vont pouvoir réorganiser le jeu et changer de ligne. On peut aller pour Neshala. 7 minutes déjà de disputer dans cette première période. Très peu de temps mort. Dégagement interdit. Venir dans la zone des finales. Maxime Martin à l'image, le défenseur reconverti attaquant sur ses derniers matchs. Public spinalien qui est toujours aussi nombreux et bruyant et encore plus pendant ces playoffs, je pense. Les fans attendaient ça depuis le match de Dunkerque, savoir si les spinaliens seraient en playoff et à quelle place, quel était l'adversaire qui allait se présenter à Poisson-Pré. Plus le top 4 assurait les matchs du samedi dimanche, ce qui est mieux pour l'affluence, même si bon, en semaine, je pense qu'il y aurait eu du monde quand même, c'est sûr. Le plein aurait été fait. Ouais, 12 des 13 matchs de la saison régulière ont été à guichet fermé à Poisson-Pré. Pour le 13e, il devait quand même y avoir un bon 2000 spectateurs. Je pense que c'était Chambéry d'ailleurs, le premier match de la saison où il n'y avait pas guichet fermé. Tout à fait. Le temps de se remettre en jambes, le retour de vacances. Voilà. Et voilà. Les supporters étaient encore en tongs et Bermuda. Donc, La patinoire, c'est un peu moins confort. Allez, Fugéric. Chercher Rorschach le long de la bande, mais c'était intercepté par Sozanski. Finalement, Rorschach passe en zone offensive. Il recherchait Fugéric. Le palais a un petit peu volé, saisi de la mitaine par Yadlovski. C'est bien que cette ligne donne le tempo, parce qu'elle avait été un petit peu à la peine lors des derniers matchs, notamment contre Dunkerque. Et le deuxième et troisième trio avaient produit une très très bonne partie. De bonnes occasions qui se créent par ce premier bloc. Allez, il va falloir gagner un peu les engagements. Voilà, c'est parfait. Games, on n'est pas sorti. Le palais était sur la bleue. Toutes ces petites choses, ces petits détails qui vont faire qu'on va pouvoir prendre l'ascendant sur cette équipe strasbourgeoise. Les engagements, sortir proprement de notre zone défensive. Notez que cette affiche est la première des quarts de finale, puisque les autres matchs débutent un peu plus tard dans la soirée.
Allez, faut pas les laisser venir devant la cage. Encore un arrêt d'Antoine Bonvalot. C'était dangereux, ça, il arrivait lancé. Un dégagement interdit appelé. Dégagement interdit. Le vainqueur de cette série, hein, entre Épinal et Strasbourg, affrontera Dunkerque ou Neuilly-sur-Marne. Dunkerque, donc le champion de la phase régulière. Et Neuilly, 8e. Qui déjà, curieusement, par le biais de son président, a annoncé qu'il ne monterait pas, même en cas de titre. Donc c'est pas forcément hyper motivant pour les joueurs, mais bon. C'est aussi une réalité économique, hein, il ne faut pas l'oublier, malheureusement. Ouais, c'est pas la même chose de passer 44, c'est ça ? 44 matchs, hein, en Ligue Magnus. Ouais, il y a une grosse différence de budget qui est nécessaire entre la D1 et la Ligue Magnus. Après, c'est sûr que des villes de hockey comme Épinal, on espère revoir la Ligue Magnus un jour ou l'autre. Ouais. Alors qu'il y a une obstruction qui est appelée. Il l'a vu. Sur Ruxan. C'est plutôt bien sifflé ce soir, il faut le dire dans les deux sens. Strasbourg aussi, hein, on ne va pas rappeler le passé du club, mais longtemps en Ligue Magnus également, qui avait bénéficié de la rétrogradation administrative d'Épinal après la liquidation judiciaire pour remonter en Magnus. Supériorité numérique en faveur d'Épinal, qui dans la saison était le 8e meilleur jeu de puissance. 17% de pénalités converties en but, alors que Strasbourg, c'est vraiment leur point fort, les unités spéciales. Était la deuxième meilleure équipe en infériorité numérique avec 90% de pénalités tuées. On vient sur le fait d'avoir un gros gardien dans le but. C'est sûr que ça aide sur ces situations d'infériorité numérique. Avec la récupération en zone offensive, un palais contrôlé par Markovic. Ames, c'est Ritz qui s'était retrouvé. Non, Rudzan qui s'était retrouvé par terre. Ames, allez, avec Markovic. En zone, c'est chose faite. Le tir de Neschela. C'est un peu désaxé, ça donne du coup l'opportunité à Strasbourg de se dégager. Godzina vers la cage. Changement de bloc de part et d'autre. C'est Rorchak qui va amener le puck. Fugéric qui est passé, relais avec Nemchek. On recherche Neschela derrière, Ruzina pardon. Se rapproche, c'est dommage, fallait dégager. Le Philippe Nemchek qui bute sur le défenseur strasbourgeois. Ça aurait pu donner une grosse occasion à Épinal. Encore 40 secondes en supériorité numérique pour les Wildcats. Ruzina qui est passé, il lance derrière à destination de Lubin. Dans l'angle. Check Lubin. Check qui fait le tour. On cherche Fugéric. Allez, il faut aller à la cage, il reste 23 secondes là, du trafic. Épinal qui a du mal à déstabiliser le quatuor alsacien. Allez, il faut envoyer la cage. Il faut tirer, messieurs. Oh là là là. Palais perdu par Ruzina. Le tir capté par Bonvalot. Il restera 4 secondes avec un engagement en zone défensive. Petit manque d'engagement justement là sur cette séquence qu'on vient de voir de la part d'Épinal. Il manquait clairement de vitesse dans le jeu, d'envie d'aller à la cage aussi, comme l'a dit Nicolas, peu de lancer et gardien Yadlovski pas masqué. Pareil, ça va être une clé ça, de se mettre devant ce gardien là pour essayer de le gêner un maximum, gêner sa vision et permettre de le tromper. Rodrigue Donné à la relance. Hop. C'est Nathan Gantz. Gantz. Tour de la cage, on vient se réinstaller, voilà. Le tir tout de suite. Il n'était pas masqué pour le coup Yadlovski. Bien joué, Pernod était placé devant la cage au cas de petit rebond. Qu'on n'a pas laissé passer le gardien slovaque. Allez, engagement. Porté par Strasbourg. Jérémy Côté qui relance avec Franck. Côté derrière avec Sozanski, le tir c'est contré, oui. Bloquer les shoots aussi, ça c'est important dans tous les matchs, mais dans les playoffs plus particulièrement sur ces séries comme ça rapprochées, vous donnez une petite chance supplémentaire à votre gardien en vous mettant sur les lignes de tir.
C'est aussi ça qui fait gagner un match, une série, parce que c'est ces petits détails-là qui on bloque un shoot, qui évite un but, et un but, c'est ça qui va faire la différence dans ces séries éliminatoires. Épinal qui a la relance avec une mauvaise passe. Sans un ski. Oh là là, des grandes passes de part et d'autre. Ritsa relance, ouais, en zone. Markovic cherche à Rudzan. Et Rappen qui récupère, oulala, dommage. Je ne sais pas où il a rebondi ce palais. Un peu du billard là, oui. Ouais. Ouais, tir de Ritz qui manquait un peu de puissance sur la fin. Allez, bon Valo qui remet tout de suite en jeu. Il se laisse pour Ames, il va regagner le banc et changement de bloc de part et d'autre. Et puis la relance. La première ligne. James pour faire le tour de la bande. Alors Tchak et Fujerik dans la bande. Peter alors Tchak qui est sorti avec le palais. Ah oui, chercher Niemczek au premier poteau. Il avait de l'idée, là, était bien. Ah oui, ah ouais, la pénalité appelée. Trop d'engagement là sur ce coup. Niemczek, il balance son défenseur. Mauvaise pénalité là en zone offensive. Attention à rester discipliné. Ouais, 2 minutes pour le buteur du soir. Du coup, on va avoir un engagement en zone défensive. Et une situation de power play pour les Strasbourgeois. Avec Tim Franck à l'engagement. Tim Franck qui a été formé à Strasbourg, qui est parti un petit peu faire ses armes ailleurs. Il a été notamment champion avec Sergi en 2022. Et il est revenu à Strasbourg par la suite. Allez, engagement. Ligné par Strasbourg, Sozanski. Olive sur le côté. Deux joueurs dans la boîte du côté de Strasbourg. Sozanski. Il faut rester installé. Olive, il tente sa chance. Et c'est le but. Il était masqué. Strasbourg. Il était masqué, bon vélo. Pénalité qui se paie cash. On l'avait dit, hein, ça va être des points. Clé est fort dans ce match. Hein. Il ne faut pas donner de faute, surtout pas en zone offensive. Peut-être à refaire dans ce match. Ouais, dommage pour Philippe Niemczek qui avait marqué le premier but, mais il a indirectement offert l'égalisation à Strasbourg. Sur l'égalisation. Cette indiscipline. Et là, les Strasbourgeois n'ont pas laissé passer leur chance. Donc, il faudra vraiment limiter les pénalités. Hein. Fonda 12 au duel avec Pernaud. C'est un point positif, Épinal joue à 4 lignes encore ce soir, ça va permettre d'avoir du sang frais, alors, soit en fin de match, soit en fin de série, on verra bien en fonction de la tournure que ça prend. De l'intensité, ouais. Le but attribué à Louis Olive sur assist Sozanski. C'était sur le 9e tir de Strasbourg qui domine au chapitre des lancers cadrés, 9-3 en faveur des joueurs de l'Étoile Noire. Et 7-7 aux engagements. Nico disait tout à l'heure l'importance des mises au jeu. Ouais. On est match nul là-dessus pour le moment des deux équipes. Et Strasbourg qui redémarre son but. 6 minutes à jouer, ouais. Dans ce premier tiers. On cherchait la déviation pour éviter le dégagement interdit. Ce n'était pas le premier sur ce palais récupéré par Strasbourg. Ça a dû les remotiver, bien évidemment. Les Alsaciens, Forest, le tir. Repoussé de la botte par Bonvalo, c'était au ras de la glace. Attention, à fond d'à 12. Bordage, pardon. 6 minutes à jouer, 5-56. Cette première période est 1-1 entre les deux frères ennemis. On va réagir en zone défensive. Ça voudrait dire que Antoine a touché ce palais. Hein. Engagement Markovic. Face à Olive, palais gagné par Strasbourg. Sur Aduras. Beau block shot d'Anthony Rappen qui peut même lancer Rudzan. Un peu seul, il remet derrière pour Markovic. Il a toujours le palais à Mathius. Ouais, comme elle vient. Le lancer de Rusina, puissant. C'était cadré. Rebond, mais les Spinaliens n'ont pas pu se jeter sur le rebond. Encore une occasion. Non, on lance derrière. Une obstruction qu'a vu monsieur l'arbitre sur Markovic devant le but. Ouais, c'est Pierre Ikeué qui est sanctionné pour avoir bloqué
le Slovaque. Ça siffle beaucoup en ce début de match, mais on n'a rien à dire. Hein. Toutes les pénalités sont justifiées. Ah, oui. C'est la troisième obstruction signalée, hein, avec celle sur le gardien Yadlovski. Une obstruction tout là, à l'heure. On le voit bien, il n'y a pas le palais. Et, le défenseur strasbourgeois empêche Jaroslav Markovic de se diriger vers l'action. Donc, il y a obstruction. Allez, les White Cats ont l'occasion de reprendre l'avantage. Palais pour Alexovic. Non, on ressort. Raté sa passe là. On va voir le deuxième power play spinalien. Si ça fait comme Strasbourg qui avait proposé un power play moyen la première occasion et qui a concrétisé la deuxième. Alors Tchak qui passe la bleue. Et toujours Yadlevski. Cherchez ce palais dans la bande. Ouais, le récupéré. Spinaliens sont toujours là. Fugeric. Arrière avec Ruzina. Pour Erchak, le slap. Un peu manqué de Rorschach. Ouais. Oui. Qui a été repoussé par. Bloqué en tout cas par Thomas Giorgi. Avec Dominique Fugeric à l'image. Ah, là, il n'y est plus, mais c'est un ancien joueur de Strasbourg. Donc je pense qu'il a à cœur de briller ce soir face à son ancienne équipe. Rorschach, Nemtchek. Rorschach. Lubin. Géric. Il ne faut pas seulement tourner, on le disait tout à l'heure, il faut mettre le palais sur la cage, mettre du trafic devant le gardien. Tire de là, il n'y a personne devant, donc forcément la vision de Yadlovski est libre. Hein. Il a toute facilité à attraper ce palais-là. On l'a vu tout à l'heure, Strasbourg tournait avec deux joueurs dans la boîte pour perturber Antoine Bonvalo et trois joueurs sur la base arrière. La passe est belle, le tir de Ruzina est beau, mais personne n'est là pour masquer ou dévier. Donc arrêt relativement facile pour un gardien du niveau d'Yadlovski. Après on le sait, hein, c'est devant la cage que ça fait mal. Quand on va devant la cage, on prend des coups. Donc c'est peut-être pour ça aussi que peu de joueurs s'y aventurent, mais c'est les clés du match. Preston Ames, Anthony Rappen qui met le palais à la cage. Markovic. Tourne encore. Markovic à nouveau. Voilà, là il y a du monde, il faut y aller. Ames, il décale. Je cherche un peu trop le à tirer auprès. Markovic. Non, il cherchait encore la petite déviation. C'est confus là, les deux joueurs de Strasbourg qui se sont retrouvés par terre. Dont le gardien. 18 secondes. Markovic. Ouais, on tire pas assez du côté des finales, non. Là en supériorité numérique. Clairement, on cherche trop le jeu parfait, le décalage. Ouais. Ça fait le jeu de Strasbourg qui est très très bien positionné. Attention à ne pas retourner dans. Retomber dans ses travers. Chercher la bonne occasion. Grosse charge de Preston Ames, mais c'est pas sifflé. Il y a le banc. Sorti, il avait perdu sa crosse Preston. Ouais, et hors jeu, non? Non, je pense qu'il y a une pénalité. On revient sur la pénalité. Alors, elle sera finalienne, je crois. Ah non. Un Strasbourgeois qui se dirige vers. Pas peut-être sur nombre, j'ai l'impression que l'arbitre. 55. Flavien fond à 12. À 12, donc nouvelle chance pour Épinal. 3-13 à jouer, 2 minutes de supériorité. J'avoue que j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est le moment, c'est l'instant. Hein. On va voir la pénalité qui est attribuée. À 16 minutes 47 secondes. Fougéric qui n'arrive pas à libérer l'engagement et qu'il le perd. Et du coup, obstruction. On reste dans la droite ligne des pénalités. Obstruction, obstruction, obstruction. C'est la pénalité du soir. Ouais, toutes les pénalités signalées ont été des obstructions. Alors, Tchak qui est passé. Chercher Lubin qui n'a pas maîtrisé ce palais. C'est bon. Ouais. Alors, Tchak à nouveau à la cage. Il faut s'installer et envoyer à la cage. Allez, Rosina, Alors, Tchak. Lubin derrière, remet sur Alorchak, Ruzina. Et sur Fugeric, qui envoie un shoot tout seul. À la cage. Tire pas, il cherchait Nemtchek encore une fois à 5-6 mètres de la cage. Hop, passe contrée. Strasbourg est très bien positionné par Strasbourg. Quand même. Ouais. On manque de précision, on manque de vitesse, d'envie, on tire pas assez. Clairement, là, c'est pas un power play qui est un power play conquérant, qui est un power play de playoff. Il faudra évoluer sur un autre niveau pour aller chercher ce match.
Ah, il faut mitrailler. Hein. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas exactement les statistiques de shoot, mais là, tout à l'heure, Strasbourg était largement devant. 10 à 5, le double tir pour Strasbourg. Ouais, mais nous, avec 3-4 pénalités, on devrait être bien au-dessus. Et but, but, but de Thomas Lechala. En embuscade, oui. La passe est arrivée. Ils nous ont fait mentir sur ce coup-là. Tout à fait. tant mieux, ouais. Ça circulait pas, il n'y avait pas de trafic. Là, ils en ont mis. Et comme par hasard, le palais finit au fond. Le but du défenseur slovaque, on revoit ça. Un échala comme contre Dunkerque dans le rôle du finisseur. Ah ouais, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Une passe de Rudzan magnifique. Il a juste à pousser le palais dans le but, Thomas Nechala. Superbe. Ouais. Superbe action spinalienne. Au lieu de l'utiliser à la bleue sur le lancer frappé, finalement, on utilise son physique pour gêner le gardien adverse. Et même si c'est un défenseur, bah après la finition, c'est même plus un tir, c'est de la déviation. Et il a superbement bien joué le coup, Nechala. Allez, Nathan Gorms qui a gagné l'engagement. Final qui reprend les devants 2-1 à 2 minutes de la première pause. Il faut garder cet avantage jusqu'au retour au vestiaire. Mettre un peu plus la pression sur les Strasbourgeois. On le disait, les unités spéciales, ça sera l'une des clés dans cette série, dans cette phase finale. Premier but d'Épinal en infériorité numérique. Égalisation de Strasbourg en supériorité numérique. Et Épinal qui reprend l'avantage à un de plus sur la glace. Ouais, tout à fait. Pas eu un seul but à 5 contre 5. Attention à ne pas laisser les Strasbourgeois tenir. Attention, la bonne intervention. Bon Valo. Il faut aller dessus. Allez, heureusement, ouais. Ça ressort. Il est sorti. C'était un peu panique à bord là. Burgos qui va essayer de réorganiser le jeu. Ouais, c'est bien coupé par Fougéric. Olive passe le palais. Fondadouce qui est un peu juste. Mais à la lutte avec. Allez, il faut sortir Kings. De cette situation là. On trouve un soutien, oui. Comme la personne de Lopstein. La pression de Lanchak, attention à la. Foulsoyadlovski. Il y a du patin. Réorcha qui est parti un mètre derrière le défenseur. Il est arrivé un mètre devant. Et Yadlovski. Sénéchal. Ça a été sifflé. Ouais. Ça a été sifflé. Ça a perturbé avant, heureusement. Antoine, je pense, au moment du tir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une petite altercation derrière. C'est normal. On ne shoot pas après le coup de sifflet. Et les coéquipiers d'Antoine viennent tout de suite s'expliquer avec le joueur strasbourgeois. Alors on engage juste devant la zone d'Épinal. Markovic, engagement gagné par Strasbourg. On lance au-dessus. Markovic essaie de récupérer ce palais de la main. Bonne défense, les Despinaliens bien groupés pour garder le palais. Allez, 30 secondes à jouer. Rudzan qui se jette sur le palais. Ouais, c'est bien joué, on va mettre la pression. Il faut essayer de parvenir dans notre zone. Comme ça, il n'y aura pas de danger avant la fin de ce tiers. Entrée, éviter un contre. Le tir lointain, c'était au-dessus, mais c'est capté par Antoine Monvalo qui le gèle finalement ce palais. Engagement en zone spinalienne. Avec le coach strasbourgeois qui râle un petit peu parce que le chrono n'a pas été stoppé tout de suite. Ouais, il y a une ou deux secondes qui ont été mangées. Daniel Bourdage bien sûr sur le banc de Strasbourg. 29 de ce côté-là depuis une trentaine d'années. Inamovible coach de l'étoile noire. Mais il a toujours eu des résultats plutôt bons compte tenu des moyens qu'il avait. On peut même dire très bons compte tenu des moyens à sa disposition. Et voilà, fin de ce premier tiers et 2-1 en faveur d'Épinal. On va vous préparer tous les ralentis. On va se ravitailler un peu du côté du public. Et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes voilà, pour vous résumer ce premier tiers. Et suivre le deuxième, bien sûr. À tout de suite. Smile upon
Vous voyez cet homme? Bah, il aime pas le foot. Mais à la récré, on lui disait... Si tu veux te faire des potes, faut que tu fasses du foot. Et elle, on lui a dit... Non mais la rando, tu vas voir, c'est magique. Ton père faisait du tennis. Ton grand-père faisait du tennis. Vous avez le droit de commencer un sport. Vous avez aussi le droit d'en changer. Trouvez le sport qui vous correspond avec plus de 200 équipements à moins de 20 euros. Je peux pas faire mieux. Tu veux pas qu'on change la cuisine aussi? Mais pourquoi pas? Délices des mers sur son lit de coriandre. Ou inversement. Brico Dépôt. Wow, voyez plus grand avec nos prix dépôt. Ouais, devine où je suis. Quoi, mec, t'es chez U? Yes, et ça sent bon le prix coûtant. Bon, et dis-moi, t'as pris quoi? De l'eau plate. Wow, fort. T'as pris des pains au chocolat? Non, mais j'ai pris de la levure. Oh, tu me fais rêver. Dis-moi que t'as pris des crèmes brûlées. Non, mais 18 rouleaux de papier toilette. Ah bah là, je peux plus rien pour toi. Ah, t'es mon héros. 150 produits U à prix coûtant pour soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. Ah, c'est mon pote, il est grave. Eh, 18 rouleaux. Faut les faire, hein. Ah, c'est un déglingo. Maman, papa, maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il faut pas jeter, mais plutôt donner une nouvelle vie aux meubles, comme tu le dis souvent, papa. Je vous aime, Anna. PS, on pourrait aussi s'occuper de votre chambre, non ? IKEA ! À bientôt ! Salut ! Non mais t'as vu, elle a recommencé, elle a ramené des crèmes au chocolat. C'est toi qui lui as demandé d'amener le dessert. Oui, un dessert, mais pas des crèmes au chocolat. Faut toujours qu'elle étale sa richesse, là. La dernière fois, elle avait ramené des yaourts. La prochaine fois, c'est quoi? Des petits Suisses. Pourquoi elle nous dit qu'elle a du riz au lait dans son frigo? On s'en fout. Oui, elle est complètement bling-bling. Pour le goûter des gosses, elle avait ramené de la faisselle. Je me sens rabaissée, je me sens nulle. Faut pas trop les habituer à manger ce genre de mets de luxe, hein. Nouveau Dacia Jogger. Avec 7 vraies places, 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Pendant les jours essentiels du 9 au 13 mars, essayez nouveau Dacia Jogger hybride 140 avec boîte automatique.
C'est ça. De retour à la patinoire de Poissompré pour suivre le deuxième tiers-temps de cette rencontre entre Épinal et Strasbourg. Premier match de la série des quarts de finale de D1. On va vous remontrer bien évidemment 2-1, vous le voyez, à l'issue des 20 premières minutes. On va vous montrer bien évidemment les meilleures actions de cette première période qui a débuté sur les chapeaux de roue, hein, avec une grosse occasion de Dominique Fugéric après 20 secondes de jeu. Il bute sur Yadlovski, hop, infériorité numérique pour Épinal. Et puis Philippe Nemchek, après 2 minutes de jeu, qui trouve l'ouverture en break. Entre les jambes de Thomas Yadlovski. Il glisse le palais entre les jambes. Très bien joué, hein. Coup droit revers, et hop, il lui glisse entre les jambes. Alors ensuite, il y a eu un poteau pour Épinal. Non, le but. Ouais, ça, c'est le second but. Ça, c'est le second but. Avec l'ouverture de Mathus Rudzan là, sur Thomas Nechala, qui a pu capucer le palais au fond du but. Superbe passe. Et ils l'ont oublié, les défenseurs. Sozonski a oublié Nechala. Et entre-temps, Strasbourg était revenu à un partout en trouvant la faille en supériorité numérique. Ouais, grâce à Olive. Alors, est-ce que c'est ici? Ah, c'est là. Ça, c'est le premier but tout au début du match. On pensait avoir ouvert le score après 20 secondes de jeu et une obstruction avait été appelée par les arbitres. Contre Fugéric, là c'est
le poteau. Le poteau, oui, qui sauve Bonvalo. Ouais, ça c'était après 5 minutes de jeu, grosse pression des Alsaciens qui ont ouvert après le score par Olive en supériorité numérique. On a un petit souci avec le ralenti de ce but, mais vous pouvez le retrouver à vitesse réelle si vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur notre site, remonter un petit peu le temps. Toujours est-il que Épinal mène 2-1 à l'issue d'un tiers qui n'a pas été très joli non plus, messieurs. Hein, c'est, l'essentiel est là, on va dire. Un tiers de play-off, un tiers engagé. En plus, c'est un derby, donc il faut s'attendre à un match et à une série très disputée, très accrochée, où chaque contact, chaque palais perdu a une importance capitale. Et je pense pas qu'on verra vraiment du super beau jeu sur cette série, mais... J'ai envie de dire, seule la victoire est belle. Quoi. Ça va être vraiment le mot d'ordre des deux côtés durant ces peut-être 5 matchs ou 3 ou 4 matchs selon la physionomie de la série. Au niveau des engagements et des pénalités, on est un petit peu près, à égalité entre les deux équipes. En revanche, au niveau des tirs, Nico, c'est ce qu'on disait, hein, Épinal n'a pas pris assez sa chance, notamment en supériorité numérique. Oui, tout à fait. Strasbourg a le double de tir de nous et je pense que c'est vraiment le point à modifier sur ce second tiers. Il faut absolument mettre le palais sur la cage et essayer de mettre en difficulté ce gardien strasbourgeois qui est, je le répète, la clé de leur équipe. Allez, c'est reparti sur la glace. Palais pour les Alsaciens. Georgi qui a perdu le puck. La relance tout de suite à destination de Horchek qui n'a pas réussi à le contrôler. Changement de côté du coup des Spinaliens. Voilà, il faudra parcourir un peu plus de distance pour changer les lignes. Ouais, ça ce deuxième tiers avec banc inversé, c'est toujours aussi compliqué dans les changements de ligne. On temporise, Ames à la relance avec Rappen qui a passé la bleue mais perdu le puck, c'est récupéré par Franck derrière avec Kyrie Kewe, Jérémy Côté, ouais, Ames. Hop. Qui intercepte, capté Trudeau, ouais, le bon jeu à 3, attention à 3 contre 2, ouais, bien avec un bon bloc de Preston, ouais. Capri, il souffre mais il est debout. Ouais, on l'a vu crier sur ce lancer de côté. C'est il tient sa place. C'est sacrifié pour couper le tir. Il l'a pris dans la cheville. Hein, Preston. C'est block shot, on le disait tout à l'heure, qui vont être très importants sur la série. Ouais. Yann Plush et Nicolas Martin à l'image. Le duo d'entraîneurs des Wildcats. Engagement. J'espère qu'il n'y a pas trop de bobos et le Doc est... sur le banc. On va aller voir. Je pense que ça sera juste un coup dans tous les cas. Oui. Grosse bataille dans le coin. Oui. C'est pas le moment de perdre un défenseur, c'est sûr. En table de ces playoffs, c'est jamais le moment, vous me direz. Lucchini temporise, lance par-dessus. Strasbourg qui met au fond. Donnet qui relance. Tenter de relancer. Au pressing de Strasbourg, hein, ouais, en ce début de deuxième période. Sénéchal qui avait récupéré le palais, fond à 12. On a le contrôle. Palais sorti. Mauvais jeu, ouais, le palais sorti. Fond à 12 est obligé de temporiser. Ouais, ouais. Position d'hors-jeu, double position d'hors-jeu. Et la relance avec Charpentier. Derrière, non, on en profite aussi pour changer de ligne. Du côté d'Épinal, et rendre le palais à Strasbourg. Le public spinalien qui donne de la voix. Ouais, qui se réveille un petit peu. Pernaud renvoie dans le fond, mais ouais, si, c'est pas la récupération encore de Thomas Nechala. Très en vue ce soir. Ouais, la passe, ça ne donnera rien. Il va reprendre son poste à la bleue, Thomas Nechala. C'est vrai qu'il est final avec. Et le but de Nathan Gantz. Et bravo! Superbe jeu de cette troisième ligne. Quatrième ligne même. On n'a pas l'habitude de voir Nathan en quatrième ligne, mais voilà. Gros jeu de Kevin Pernaud à la passe et puis Nathan Gantz qui finit. Un but 100% spinalien. Et ouais. Avec les Strasbourgeois qui s'énervent. Ouais, on va revoir ça. Ouais, parce que Pernaud qui a fait le tour. Il le laisse seul. Il attend bien. Et il délivre un caviar pour Nathan Gantz. C'est la même que la passe de Rudjan pour Nechala. Tout à fait. Dans l'autre sens, ouais. Et 100% spinalien. Je suis même pas sûr que Nathan Gantz l'ait touché. Hein. Très très bien joué là par cette ligne. Et...
Ouais, le but lui est attribué à Nathan. Ouais. Oh, dommage. Oh là là, oui, vous avez vu, il y avait un gros lancé entre temps. On attendait l'annonce du buteur. Et c'est un but qui. Oui, oui belle interception. Encore une fois, Nemchek, oui. Alors check, non, dommage. Oh là, 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 c'était bouillant. Allez, faut tuer ce match maintenant. Allez, Ames qui est de retour, donc bon signe. Charpentier sous pression. Attention, hors-jeu. Ouais, position d'hors-jeu, ouais. Bien vu par monsieur l'arbitre. Et un très bon début de tiers d'Épinal après s'être fait dominer un petit peu. Ils ont su relever la tête et. Oui, on voit l'occasion de Nemchek et Orchak. Et très bon arbitrage jusqu'alors. Arbitrage aussi précis et clair qu'il l'avait été brouillon le match dernier. Donc c'est positif, il faut le dire, quand les arbitres font le job. Ozan sur le côté. Toujours le palais. Bien, c'est sorti pour Strasbourg. C'est bien parce que Strasbourg avait mis de l'intensité normale. Hein, Trudeau. Début de tiers. Hors-jeu. Strasbourgeois qui déjouent, là, qui ont du mal à développer leur jeu de passe. Deux fois où ils se font prendre au hors-jeu. Ils ont été un peu cueillis à froid par ce troisième but. C'est d'habitude la spécialité de l'étoile noire de subir et de distribuer des contres mortels. Mais là, ils ont été pris à leur propre piège à deux reprises. Hein, ouais, les jeux s'inversent un petit peu ce soir. On voit un Épinal un peu qui a du mal à mettre les palets sur la cage et qui est plus en retrait. Mais c'est bien eux qui sont devant au score. C'est surprenant. C'est probablement là qu'est la solution, une partie de la solution. Au lieu de se ruer à l'assaut sur la cage de Strasbourg et se faire cueillir à chaque fois comme lors des cinq dernières défaites. Bah finalement, les Spinaliens sont un petit peu plus attentistes, contrôlent mieux le puck et placent une banderie dès qu'ils en ont l'occasion. Engagement gagné par Strasbourg. Le lancer, c'était masqué, mais c'était au-dessus. Lubin cherchait à sortir. Perdu, oui, attention. Et. Jaya, non, Jaya. Il n'a pas réussi à dégager non plus. Il faut se sortir de ces situations-là. Ouais, faut être solidaire. Tout le monde passe à travers. Et c'est toujours un billard, oui. Oh, attention, oh là là, tout seul. Oh là, but. Oui. Ouais, Trudeau en plus. C'était Trudeau. Attention. La fine gâchette de l'étoile noire. Allez, Armand Jaya pour se donner un peu d'air avec Lubin. Passer la bleue. Temporise, ouais, Jaya. Croise avec Jaya. Paris. Ouf. C'était pas loin, il a fait le petit puck check Yadlevski. Ouais, ça Gantz. Fait le tour, il tire le long du poteau. Ils sont étonnamment attentistes, figés les Strasbourgeois dans leur zone. Les Spinaliens leur ont tourné autour. Comme la quatrième ligne tout à l'heure. Maxime Martin qui met de l'intensité avec Nathan Gantz au pressing. C'est un vrai boulot de quatrième ligne, hein, de fatiguer l'équipe adverse et d'essayer de ne pas prendre de but. Trudeau. Voilà le sniper québécois. Ouais. Bonne charge de prestataire. Bien pris par Ames. Il a eu du mal à se relever, Strasbourgeois. Duel nord-américain. Donc Perdo qui tente sa chance et à côté. Ah, ils sont un peu gênés, dommage. Ouais. Avec Maxime Martin qui était sur la trajectoire pour tenter sa chance. Et ça part dans l'autre sens. Ah oui, belle interception de Justin Ames. Il se projette vers l'avant. Et est-ce qu'il va tenter sa chance, l'américain? Il n'y a personne au milieu. Dommage, il était sur son. Attention sur nombre. Pas son bon côté. Ouais, c'est bien joué, on garde le contrôle. Allez, il y a du mieux là. Alors Tchak pour Charpentier, il n'avait pas vu Nemchek dans son dos. Ouais, Charpentier qui a lancé sur la cage. Pousse là-bas en duel. Martin Charpentier qui reprend sa place en défense. Et on envoie au fond côté strasbourgeois. Une bonne récup dans le duel de la bande pour les Spinaliens. Check, lutte, sortie pour l'étoile noire. Attention, c'est un peu confus. Là, il y avait un surnom. Ah, les Strasbourgeois. Ouais. Aïe, 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 la pénalité qui va faire ça fait mal, là. Criser Daniel Bourdage. Ouais. Parce que ça, c'est le genre de pénalité que les coachs n'aiment pas. Et Épinal, du coup, qui reprend une opportunité de. Peut-être pas tuer le match, mais presque, si d'aventure les. Et Wildcats venait à glisser le quatrième au fond. Ouais, il serait pas tué, mais je pense qu'il serait, important de marquer et de prendre de l'avance tant qu'il en est encore temps. Le match ne sera pas facile jusqu'au bout. Il ne faut pas
se poser de questions là-dessus. Marković à la mise au jeu. L'un des meilleurs centres dans cet exercice. Ouais. Il a gagné une fois de plus. Exane à la récup. Le long de la bande. Chassé par Sosanski. C'est légal. Marković. Il faudrait trouver Rappen de l'autre côté. Il est tout seul là. Il trouve une belle transversale. Marković. Dommage. Ouais. Ça a été coupé. C'était isolé. C'est ce qu'il cherchait. Vous avez bien vu le jeu. Bonne défense strasbourgeoise. Et Pinal qui repart de l'avant avec Preston Hems pour Anthony Rappen. Oh, joli. Un numéro solitaire qui n'ira pas au bout. Beau dribble d'Anthony Rappen, ouais. Tout en vitesse. Récupéré par Rudzan. Petit blanc à poisson près là. Allez, Rappen, on prend un peu plus d'espace. France derrière. Voilà. Marković récupéré. On est installé maintenant côté spinalien. Et Michel Hems. Le lancer de Preston Hems capté par Jadlowski. Thomas Nechala était dans le bon tempo pour prendre leur bond, mais il n'a rien eu à manger devant la cage. Pas de retour, ouais. Jadlowski avait faim, il a bloqué le puck et il n'y a pas eu de retour qu'au CD. Tout à fait. Allez, Dominique Fougéry, quel engagement. Qui gagne également cet engagement. C'est Strasbourg qui contre. Tchak. On a le temps de réinstaller le jeu. Ouais, Pinal qui est toujours un de plus. Hein. Pour 45 secondes. Le joueur qui va essayer de renvoyer, mais c'est capté par Lubin qui garde en jeu. Ouais. Oui, Nemchek, dommage. Ah, ça combine bien. Il faut mettre le palais sur la cage. Allez, allez. Ah, il a manqué son lancer, Ruzina. Ouais. Allez, nouvel essai peut-être. Urchak. Allez, il y a du monde. Il faut envoyer le palais sur la cage. Là, il faut l'envoyer. Ouais. Il faut l'envoyer. Oh, avec une bonne déviation de Lubin devant la cage. Ah, il est déçu. Ouais, ouais. Ils ont laissé passer une bonne chance là, oui. Un bel arrêt de Jadlowski. On va tirer un peu plus, on me dit. 17 secondes à faire dans cette supériorité spinalienne. Et on retrouve Jaroslav Marković pour l'engagement. Dégagé par Georgi, récupéré par Hems avant la sortie de la bleue. Encore une dizaine de secondes en supériorité numérique pour Épinal. Strasbourg qui arrive à se dégager. Il va tuer la pénalité. Ouais. Récupération Hems. Hems. Voilà, Strasbourg au complet. Le cinquième joueur de Strasbourg. Ouf, oui, Markovic. C'est arrivé. Oui, comme il vient. Michala qui slalom, il perd le puck. Pas pu se mettre sur son lancer. Pas de couverture de Hems. Un bon arrêt pour Antoine. Repousser du bouclier. Il n'y a pas eu énormément de travail dans ce tiers-temps-là. C'est pas facile pour un gardien de rester dans le match quand il n'y a pas de shoot. À froid. Mais c'est bien, ça montre à son équipe qu'il est présent. C'était tout simplement le premier tir de Strasbourg dans cette deuxième période. Hein, 4-1 au chapitre des tirs et 13-11 pour Strasbourg sur le général. Donc ça s'est clairement équilibré. Final qui revient un peu dans la partie à ce niveau-là. Bélé, là. Palais dégagé par Épinal. Donnet, Gantz, Pernaud, encore du rythme. Oui, bon ligne, on recherchait Martin. On combine bien cette ligne-là ce soir. Bonne quatrième ligne. Vous avez souligné déjà les automatismes de Kevin Pernault et Nathan Gantz contre Dunkerque. Tout là, à fait. Ça se ressent encore ce soir. Il se trouve les yeux fermés. Un trio 100% spinalien avec Maxime Martin. On peut presque même dire que la défense est spinalienne avec Audric qui est venu il y a très longtemps et Martin Charpentier qui est également un produit spinalien. J'ai jamais vu. Et Antoine dans les cages. Donc tout à fait. Voilà. On est presque au complet. Oui, en plus. Compris Antoine Bonvalo. Ouais, belle ouverture de Jaga. Lucas Bonny, jeune belge, il tente sa chance. Bien joué, c'est capté. Ouais, ce qui est intéressant sur cette troisième ligne, c'est Lucas aussi qui apporte de la vitesse hein, oui. Aux côtés de Jaya et de Lubin qui ont des. Ouais, je pense que Yann a fait des bons choix là ce soir. Imposant. C'est ces ajustements sont pour le moment payants.
troisième et une quatrième ligne qui sont assez équilibrées et forcément qui apportent que du plus à cette équipe spinalienne. Et peu de répit aux adversaires. Ah, il n'a pas vu le palais, Rosina. Oui, parce que les deux premiers blocs se créent des occasions, mais les blocs 3 et 4 ne sont pas en reste. Outre le fait de mettre beaucoup d'intensité, ils se créent des occasions et ils en ont marqué. Donc là, pour l'instant, c'est très très positif. Lubin. Allez, Lubin qui est passé. Allez, il faut renverser. Il remet le jeu à Jaya. Même pour Rosina. Il a été un peu gourmand. Gourmand, hein. Oui. Essaye de revenir de derrière la cage. Géric, prend sa chance, c'est repoussé voilà, du c'est bien, il y a du trafic hein, là. Ouais. Les Strasbourgeois qui sont un peu la tête sous l'eau là en ce moment. Ouais, on est monté d'un cran d'intensité clairement. Fugéric, c'est pas pour conserver ce palais. À Strasbourg qui a eu un petit peu de mal. Bon, ça oui, Orchak Rusina à nouveau. Cette fois c'est à côté. À finir sa saison avec deux défaites de rang, ça leur était pas arrivé du tout dans toute la saison. Et là, les deux derniers matchs de championnat, Strasbourg les a perdus. Épinal avait perdu trois matchs d'affilée avant d'aller gagner à Chambéry. Mais autant le mois de janvier avait été fantastique pour Strasbourg avec 6 victoires de rang, autant la fin de saison a été plus délicate. Ouais, ça leur avait permis de bien remonter dans le classement ces 6 victoires de rang. C'était même retrouvé à la première fois sur leader. Ouais. Bien joué Antoine Bouvalot. Le bouclier là sur ce tir de Fonda 12. Ouais, leader provisoire il me semble, parce qu'il devait avoir une journée d'avance sur Dunkerque. Ouais, c'était ça. Sozanski là-bas à la relance avec Giorgi. Sénéchal. Sozanski. Ça combine bien, mais Markovic qui avait un bon retour défensif. Ah, il lit bien le jeu, Markovic. C'est pour moi le joueur qui a le plus progressé dans la saison. Ouais. Il est arrivé vraiment. C'était difficile ses débuts à Épinal et il s'est vraiment mis dans le tempo pour jouer de plus en plus juste et délivrer de superbes passes, notamment à Anthony Rappel. Voilà, c'était le temps de chauffe, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça, arriver dans un nouveau championnat. Bon, son expérience après a peut-être. Puis 37 ans, hein, quand même, Yaroslav Markovic. Il s'est adapté assez vite à ce championnat-là. On a trouvé vite l'ouverture en début de saison. Allez, on va repartir avec Nechala derrière la cage. Godzina. Ouais, c'est bien joué, c'est relayé, donc il n'y a pas de dégagement. Et Max Martin qui va au forcing. Ouais. Vitesse tout le monde. Ouais, il essaie de servir la tendance. Bonne passe, ouais, le long du poteau. Ah, il joue sans complexe, hein, cette ligne-là, c'est une touche de puck. Et les trois spinaliens, pour l'instant, créent des misères dans l'arrière-garde de l'étoile noire. Allez, faut pas que ça sorte. La force est avec eux. Là, c'est bien de voir des spinaliens à ce niveau-là. Mensa. Chercher du soutien, Mensa à nouveau. Ouais, bon pressing. Ouais. Pénalité. Pénalité appelée contre. Contre Épinal, le gardien strasbourgeois avait quitté sa cage. Contre Maxime Martin. Ouais. Les deux arbitres qui discutent. Ouais. Ça sera à l'ordre. Contre nous. 10 minutes 54 à jouer, 2 minutes de supériorité numérique en faveur de l'étoile noire de Strasbourg. Comme toutes les infériorités, il va être important de la tenir celle-là. On est à 6 minutes de la fin du tiers, si on pouvait rentrer avec 2 buts d'avance. Beaucoup moins de buts dans cette période pour l'instant, mais bien plus d'intensité, oui. Bien plus plaisant à regarder. Oui, bien plus intéressante dans le jeu. Strasbourg qui s'installe. Il se mettait dans l'axe, qui attendait le palais pour tenter sa chance. Petite déviation de Tim Franck devant le cage. Toujours le jeu de Strasbourg en supériorité numérique avec deux joueurs dans la boîte. Pour venir gêner Antoine Jouvelo. Bien défendu. Dégagé, attention, le palais n'est pas ressorti. Sozanski qui a hésité à tirer. Il n'était pas en bonne position. Ouais, il met des petits palais à ras de la glace, ce qui permet à ceux qui sont devant le but de dévier le palais, de frapper la vigilance de Bonvalo. Ouais, leur powerplay très très efficace, très compact. Olive, la tentative. Justement, il y a Franck qui bouchait la vue d'Antoine Bonvalo. On dégage pour permettre de changer de ligne. C'est bien important en plus avec les bancs inversés. Le trajet est long pour gagner le banc. Et là, ce dégagement tombait à point. Lucini, passé en zone offensive.
Je pousse. Hop, interception de Duras. Lucchini à la bleue. Avec Jaya qui se met sur la ligne de shoot. Ah oui, c'est bien joué, on reverse. De l'autre côté. On s'est capté par Antoine Bonvalo. Impeccable. Bon arrêt, pas de retour. Le Strasbourgeois est en embuscade, mais Antoine n'a rien lâché non plus. C'est ces arrêts-là qui sont importants. 35 secondes encore à tenir à cette pénalité appelée contre Maxime Martin. Rudzian à l'engagement. 5 minutes à jouer. Bataille le long de la bande. À peine, ouais. Pas de faute. Forest qui tente sa chance, oui, repousser de la botte. Bon arrêt réflexe de Bonvalo. Allez, reste 10 secondes à tenir dans cette infériorité numérique. Il fait ça à peine, il tente sa chance. Allez, faut le sortir. Dessus. Très bien, voilà, bien joué. Par Thomas Kudzina, le défenseur slovaque. Voilà, on change de ligne, on revient tué. À 5. Avec on remet la quatrième ligne spinalienne, ouais, voilà. Avec le retour de Max Martin directement sur la glace. Sénéchal qui est passé. Le tour du 9, du 10. Martin, il n'a pas vu le palais. Et c'est mathématique du 19. C'est le trio magique spinalien. Bien vu. Du soir. Et Ims à la lutte. Maxime Ritz qui s'en sort. Par-dessus. Il ne faut pas que ça aille en dégagement interdit. Giorgi qui va aller faire l'effort. Après Sozanski. Très actif un aussi. Peu de Sozanski. Vitesse. Solution au centre. Ouh, c'était bien joué. Chercher un soutien deuxième poteau. Giorgi de l'autre côté à destination de Sozanski à nouveau. Sénéchal, ah, chassé Demchek. Par Demchek. Dommage, c'était ouais. Trop fort. Dommage, Peter Lorchak avait bien anticipé, mais le palais lui a un peu échappé. Sozanski. Ça c'est mal joué. Ouais, chercher la bande. Ouf, le tir bien vu de Rudzian dans les bottes. Palais toujours en possession des Wildcats. Donné. Ouais, c'est bien, il essaye de mettre devant le but. Là, on y va dans cette fameuse zone devant le gardien dont tu parlais, Nicolas, et que c'est important. Les Spinaliens, depuis le début du deuxième tiers, ils y sont dans cette zone et on cherche systématiquement la déviation devant la cage. On assiste à un bon tiers de la part des Spinaliens. Ils bougent bien, ils vont bien dans cette zone offensive qui ne nous déplaît pas. George, non, c'était ouais. Eux à la relance. Qui va chercher un soutien. Sa bataille de nouveau dans la bande. Ouais, bonne défense spinalienne. On a remis le contrôle du palais, mais ce sera un dégagement. Les spinaliens ne pourront pas aller se reposer sur le banc. Il y a 2:30 à jouer, 2:38 dans la fin de ce deuxième tiers. C'était la Saint-Patrick hier, hein, mais les supporters sont toujours aux couleurs. Ouais, on est accordé avec la date là. Tous en vert. Ouais, c'est propre, c'est bien joué. Ouais. Jaya, c'est qui a récupéré le palais, Pierre Ikeé. Charpentier sur le palais. Toujours dans la zone d'Épinal, la Charpentier à nouveau. Oui, c'est bien sorti encore, oui, c'est bien ouais, sorti. C'est propre. Lubin. Codric Donnet qui tente sa chance. Sollicite Yadlowski. Le beau mouvement collectif, là, une belle sortie de zone propre. On prend sa chance derrière. Ça permet d'amener des forces vives sur la glace et de gagner du temps. Et voilà, cette quatrième ligne qui bataille dans le coin et à l'image de Nathan qui garde le palais dans ses patins permet de gagner quelques précieuses secondes. Prennent un temps de glace de fou là, j'ai l'impression que je les vois tout le temps sur la glace, la quatrième. Ouais. En même temps, vu ce qu'ils produisent ce soir, c'est clair que Yann Ploch ne va pas s'en priver. Ouais, ils font un super boulot.
Ça permet de reposer un petit peu les joueurs cadres. La série est longue. Demain, on remet le couvert. Donc, si la quatrième ligne peut prendre un max de temps de glace, c'est tout bénef. C'est à Strasbourg de pousser là pour faire le jeu. Épinal est devant au tableau d'affichage. Et justement, on peut se permettre de faire tourner un petit peu notre effectif. Oh, il est passé. Ce qui est une faute. Ouais, c'était une pénalité appelée. Ouais. Pas par l'arbitre qui était dans la zone spinalienne, mais par l'autre arbitre. Ah, c'est Thomas Nechala. Nechala, ouais, qui va sanctionner en prison. Ah ouais, ouais. Croche patte avec la crosse, il arrive à lancer le Strasbourgeois. Tout à fait. C'est juste. Une nouvelle fois, bonne décision de l'arbitre, des arbitres. Alors même si à 4 c'est peut-être un peu plus facile, hein, c'est sûr, mais arbitrage très très cohérent ce soir, qui laisse s'exprimer les joueurs et qui siffle si nécessaire. Allez, une 13 dans ce tiers-temps. Trudeau, faut pas trop leur donner une munition quand même, hein, aux joueurs de l'étoile noire. Il ne faut pas les laisser revenir dans ce match, surtout pas avant la fin de ce tiers. Attention, allez, sortir. Là, il y a pénalité. Ouais, il l'a ça vu. A été vu. Il l'a vu. Ouais, il a bien joué le coup, Thomas Chouzina. Arbitrage impeccable, vraiment dans tous les sens. Mm-hmm. Hein, que ce soit avec ou contre Épinal, il n'y a rien à dire. Ouais, très équilibré. Non, les fautes ne le réchauffent pas. Et juste. Ce père arbitre de Magnus. Si je ne me trompe pas, ancien gardien de hockey de Dunkerque. Il semblait l'avoir vu jouer effectivement sous le maillot des Corsaires, mais a priori, ça serait bien le cas. 42 secondes dans cette période. Engagement gagné par Épinal, Thomas Chouzina. Il a tenté sa chance. Ouais. Le beau sacrifice du Strasbourgeois là, pour de Burgos Ramirez. Contrer le tir de Rousina. On reprend le large. Et Ims. Patine. Ouais, c'est bien joué, bien donné. Bien défendu. Ouais, c'est toujours Spinalia. Qui va tenir à peine derrière. Et Ims, il cherche Rousina, dommage. Oh, c'est encore une fois peut-être presque trop collectif. Ouais. On aurait presque dû tenter sa chance, mais pas de faute. Ouais, pas de faute, Anthony. Faut lâcher là sur cette action. 3 secondes, allez, on bloque la zone. Et on va en rester là pour ce tiers. Et 3-1 pour Épinal. Un montage un petit peu grandi. Ouais, belle performance d'Épinal sur ce deuxième tiers. Je trouvais personnellement qu'Épinal s'en sortait bien à la fin de la première période en ayant été plutôt dominé et en ayant été réaliste. Mais là, les Spinaliens ont repris les choses en main. Ouais, et c'est totalement justifié. C'est une deuxième période bien plus plaisante. On va faire une petite pause de 10 minutes et puis on se retrouve pour la fin de ce match avec les ralentis de cette deuxième période. A tout de suite. Vous voyez cet homme ? Bah, il aime pas le foot. Mais à la récré, on lui disait... Si tu veux te faire des potes, faut que tu fasses du foot. Et elle, on lui a dit... Non mais la rando, tu vas voir, c'est magique. Ton père faisait du tennis. Ton grand-père faisait du tennis. Vous avez le droit de commencer un sport. Vous avez aussi le droit d'en changer. Trouvez le sport qui vous correspond avec plus de 200 équipements à moins de 20 euros. Maman, papa, maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il faut pas jeter, mais plutôt donner une nouvelle vie aux meubles, comme tu le dis souvent, papa. Je vous aime, Anna. PS, on pourrait aussi s'occuper de votre chambre, non ? IKEA. Vai mudar, ia tomar meu coração.
nouveau Dacia Jogger. Avec 7 vraies places, 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Pendant les jours essentiels du 9 au 13 mars, essayez le nouveau Dacia Jogger hybride 140 avec boîte automatique. Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Atelier du Jardin. Alors aujourd'hui, on va apprendre à entretenir un massif. Mais ça peut être un massif d'arbustes comme ici, ça peut être un massif de rosiers, un massif de fleurs comme vous allez planter par exemple des annuels. Alors très souvent, on est embêté par plusieurs choses. Alors dans notre massif, on est embêté par des repousses, on est embêté par des adventices, donc les mauvaises herbes. Et puis on a aussi ce phénomène où le gazon va empiéter sur le massif. Et c'est toujours délicat à faire, c'est toujours délicat, on se pose des questions, on se dit comment on va faire. Alors il y a des techniques, on peut mettre un petit fil pavé, une petite bordure, mais très naturellement on peut le faire d'une façon simple avec une bêche. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment on va réaliser cette découpe. Et vous verrez qu'à la fin, en finalité, ça restera beau, propre. Et puis l'avantage, c'est que vous allez pouvoir suivre le gazon et tondre sans pratiquement avoir besoin d'une débroussailleuse. Alors je vais commencer. Alors dans un premier temps, on va enlever un petit peu, vous voyez, tout ce qui est déchets. Alors vous avez des feuilles, vous avez les anciens paillages aussi. Alors devant moi, vous voyez, voilà, pour me faire de la place. Et ensuite, je vais délimiter mon massif. Alors, le but, ce n'est pas de prendre 15 cm, ce n'est pas non plus de pas trop en prendre, mais il va falloir qu'on redécoupe, qu'on finalise ce petit contour. Alors, vous voyez, j'ai tout simplement une bêche. Une bêche qui va servir à découper. Alors, la technique est la suivante. Je vais utiliser que cette partie de la bêche. Et je vais fermement découper le bord de mon massif. Alors bien sûr, j'enlèverai les adventices, j'enlèverai le gazon aussi ensuite. Et pour parfaire le tout, on va également reprendre la bêche comme ceci, pour bien redécouper, de façon à ce que votre découpe soit parfaitement droite. Alors maintenant qu'on a bien découpé le sol, et vous voyez, cette bordure est très propre, on peut également, si vous voulez, travailler un petit peu le sol. Alors, moi, je peux le travailler avec la bêche comme ceci, vous voyez, parce que j'ai la bêche, mais je peux prendre aussi une griffe, vous voyez. Alors, pourquoi je fais ça? Je vais faire ça pour aérer. Pourquoi? Parce que nos arbustes, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin donc de retenir l'eau. Et quand la pluie va tomber, l'eau va pénétrer plus facilement dans le sol. Une fois que votre sol est bien travaillé, je vais reprolonger voilà ma découpe. On voit bien la différence maintenant entre la partie qui n'est pas faite et cette partie-là. Pour vous faciliter la tâche, vous allez pouvoir aussi mettre du paillage par exemple. Alors le paillage va garder l'humidité. Il a un rôle esthétique et il va empêcher également les adventices de pousser plus facilement. Voilà. Alors pour la mise en place du paillage, c'est relativement simple. Alors vous voyez le paillage, alors on en a déjà mis, nous, un petit peu l'année dernière, mais il se décompose quand même assez facilement. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 10 cm sans problème. Alors, votre découpe est toujours marquée quand même. Il faut bien la remonter avec votre bêche comme ceci, vous voyez. Et pour ce printemps, eh bien, vous n'aurez plus
qu'à mettre une roue de la tondeuse ici, à faire attention de ne pas, bien sûr, avaler les copeaux avec la tondeuse. Et puis, vous allez pouvoir tondre dès le début sans avoir à passer le rotofile. Bien, alors, pour conclure, hein, je vais quand même vous redire qu'il faut prendre votre bêche comme ceci et non pas faire comme ça, comme tout le monde fait. Hein, je vous ai donné la bonne technique. Vous n'avez plus qu'à essayer et vous allez avoir maintenant des massifs qui sont super bien délimités. Alors, c'est sûr, hein, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à arriver à faire une belle découpe, mais vous y arriverez. Voilà, et bien à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin et à bientôt. Plastoc chez Glénat, là c'est un tome 1, l'emprisonnement de Maud Michel et Nicolas Signarbieux, qu'on connaissait pour Peebles Adventure par exemple. Alors là c'est un monde post-apo. Au début je croyais que c'était jeunesse, mais c'est pas vraiment jeunesse. C'est entre les deux, c'est de la BD tout public. Là c'est les humains ont disparu et les insectes ont pris possession de la Terre. Voilà, c'est ça. Mais les humains ont disparu depuis très très longtemps. Oui. Ils ont laissé aux insectes une sainte matière, le plastoc. Ouais. Et donc les insectes ont développé une toute nouvelle civilisation qui emprunte quand même beaucoup aux civilisations antiques humaines. Oui. Hein, y a une esthétique grecque, mycénienne, tout ça, oui, qu'on retrouve beaucoup, et même une organisation sociale avec une grande prêtresse. Et on va suivre un puceron. Donc, le petit bug. Le là. Petit bug et les pucerons, ce n'est pas les insectes les mieux vus de la société. C'est une société de caste, hein, de race aussi, parce que les races d'insectes ne sont pas toutes égales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Lui, ce petit puceron, il est serviteur de la grande prêtresse. Il est serviteur de la grande prêtresse et elle va le désigner comme successeur. Oh, mon Dieu, quel tollé. Et elle va mourir. Oh, qui a fait le coup? Ah, ce sale puceron. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est parti pour une grande fuite en avant. J'ai envie de dire que la trame scénaristique n'est pas des plus originales. Oui. Et c'est complètement le cas. Oui. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a justement tout cet univers, ce décorum, qui amène toute la fraîcheur que la trame classique n'a pas. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cet univers. Il va évidemment tomber sur une psychic, une acolyte, qui est une membre religieuse complètement psychopathe. Voilà. Donc voilà, ça amène une dose d'humour aussi. C'est de l'aventure, de l'action, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'humour, un peu noir parfois. Oui. C'est un récit d'aventure, un récit d'émancipation aussi, parce que ce jeune bug, il va s'avérer être plus qu'il n'y paraît. Oui. Et la découverte de cet univers ultra cool, faut dire que c'est pertinent, ça change, ça pétille. Voilà, c'est... Cette histoire d'amitié aussi, entre deux espèces complètement différentes, qui se découvrent, qui se chambrent aussi, c'est assez rigolo. Il y a un côté peplum, parce que le cadre antiquisant est vraiment là. Voilà, il y a une petite scène qui m'a fait penser à un Star Wars. Voilà, c'est fun. Voilà, c'est de la vraie BD fun tout public. C'est une jolie réussite, très différente de ce qu'on a déjà vu en bande dessinée, même si le scénario est assez convenu, une certaine forme de manichéisme, mais on ne lâche pas l'album de toute façon du début jusqu'à la fin. C'est ça. Ça s'appelle donc Plastoc aux éditions Glénat. C'est un premier tome, l'emprisonnement de Maud Michel et de Nicolas Signarbieux.
retrouver tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV. De retour à la patinoire de Poisson-Pré après ce deuxième tiers-temps entre Épinal et Strasbourg pour ce premier match de la série des quarts de finale de D1. Épinal qui a légèrement accentué son avance, 3-1 désormais contre 2-1 après 20 minutes de jeu. On a assisté à une période plus plaisante dans le jeu, même s'il y a eu moins de buts, avec un gros travail d'Espinalien et notamment de la quatrième ligne emmenée par Nathan Gantz, que vous voyez ici au centre. On va leur voir avec ce but après 3 minutes de jeu dans le deuxième tiers de Nathan Gantz, justement sur ce lancer de Kevin Pernaud, but 100% Spinalien. Ouais, je suis pas sûr que... La question, c'est est-ce qu'il la touche. Ouais, c'est... Le but lui a été donné, mais ouais, je pense. Oui, quand même, mais ouais, c'est vrai. Pense, que c'est, ouais. Ouais. Bref, ça fait 3-1, messieurs. Tout à fait, on va pas s'en plaindre. Non, c'était bien plus plaisant hein, comme période, Stéphane. Clairement, beaucoup plus de jeux, plus de tirs, de meilleures initiatives, beaucoup d'envie, des rotations plus sympas aussi dans le jeu. Et puis cet apport indéniable de la quatrième ligne qui a permis du coup de reposer un petit peu les autres trios. Et de faire mieux que mettre la pression, parce qu'elle a même mis un but. Ouais, et derrière, Antoine Monvalo a tenu le choc, même si Épinal a dû se procurer un peu plus d'occasions hein, cette fois-ci dans le deuxième tiers. Ça s'est un petit peu équilibré. Ouais, tout à fait. Après, il a fait les arrêts qu'il fallait, mais il a été un petit peu moins sollicité sur ce tiers-temps-là. Nous, on a été dangereux, je pense, 5-6 fois, donc bon. On va dire que c'est un tiers peut-être un petit peu à l'avantage d'Espinal. Ouais, vous avez les stats, Stéphane ? Oui, c'est ça. 7 tirs à 5 en faveur d'Épinal dans la deuxième période. Contre 7 toujours en première période et 12 pour Strasbourg. Donc un total de 14 tirs pour Épinal, 17 pour Strasbourg. Au niveau des engagements. Et les engagements, ouais. 16 en faveur d'Épinal et 22-16 en faveur d'Épinal depuis le début du match. Donc Épinal un peu plus efficace aux engagements, un tout petit peu derrière au tir. Valo a plus d'arrêts que Yadlovski pour l'instant. Et une belle partie, ouais, j'ai trouvé ce deuxième tiers beaucoup plus intéressant, plus d'envie, une meilleure circulation de palais. Les langues se délient un petit peu. Hein. On va pouvoir jouer. On était peut-être un petit peu sous le coup de la pression dans ce premier tiers. Et là, on va pouvoir maintenant voir du vrai hockey puisque la pression est partie. Et puis une belle prestation aussi du quatuor arbitral, je trouve, ce soir. Qui a été juste dans ses décisions d'un côté comme de l'autre, cohérent, pas de hors-jeu oublié. Je pense que ça se voit aussi avec les joueurs sur la glace qui c'est plus serein. C'est plus serein. On a vu un petit peu de sourire et d'échange entre les joueurs et les arbitres. Ils font vraiment leur job. Tout à fait, il faut le souligner. Vous voyez à l'image ce quatuor. On voit des sourires sur les visages et très peu de contestations, voire pas de contestations de ces arbitres. Et c'est ça. Et ça fait du bien que les joueurs puissent penser à leur match et rien qu'à leur match. Il n'y a pas eu de palabres interminables. Chaque pénalité appelée, il n'y a eu aucune contestation, ni côté Épinal, ni côté Strasbourg. Le joueur sanctionné a allé s'asseoir sur le banc, acceptant justement le coup de sifflet de l'arbitre. Et ça, c'est important aussi. Dans une série aussi disputée et dans ce derby. Comme d'habitude, on attend un petit peu à l'issue de ce nouveau surfaçage. Ça met toujours un peu plus de temps à sécher. Donc bien sûr, le deuxième match aura lieu demain à 19h, demain dimanche à 19h à la patinoire de Poisson-Pré. Vous pouvez retrouver le résumé de cette rencontre dans notre journal de lundi. Et puis on rappelle qu'ensuite, match 3, mercredi sur l'Iceberg à Strasbourg.
jeudi si nécessaire, toujours en Alsace. Et si jamais les deux équipes étaient à égalité, on reviendrait disputer un match 5 à Épinal dimanche prochain. Alors qu'on le rappelle, il y a des pénalités qui sont en cours côté spinalien avec Thomas Nechala. Il lui reste 48 secondes et il reste 1 minute 18 aux joueurs strasbourgeois. Donc on aura une petite période de 38 secondes de 30 secondes pardon, de supériorité numérique. Oui, après le 4 contre 4 de mise au jeu, Strasbourg qui va sûrement attaquer bien en tête, hein, je pense. Là, les Strasbourgeois n'ont plus trop le choix sur ce match 1. S'ils veulent essayer de gratter le premier point. On le sait, ok, ça peut aller très vite. Hein. Mmh. Un but va relancer l'équipe et en 10 secondes, il peut se passer énormément de choses. Donc, il ne va pas falloir crier victoire trop vite côté spinalien. Après demain, bah, il faut côté spinalien, il faut gérer. Il ne faut pas trop subir, mais il ne faut pas se brûler non plus. On joue demain à 19h, donc le match 2 est déjà là, se profile déjà alors que le match 1 n'est pas encore fini. Donc il faut gérer les efforts, hein, comme on le disait en début de match. Ça, c'est important aussi. Et puis après, une petite coupure de 2-3 jours. Deux jours, ouais, c'est ça, ouais. Je ne sais pas d'ailleurs ce soir si Strasbourg dort sur Épinal ou si les joueurs de l'Étoile Noire ont fait le choix, enfin le staff de l'Étoile Noire plus exactement. De rentrer. Ouais, a fait le choix de rentrer avec la proximité. Bon. Après, je pense, étant donné des budgets qui sont très restreints, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'ils rentrent entre les deux matchs. Il n'y a quand même pas non plus, il y a 2 heures de bus. Alors c'est sûr que ça fait du bus et que les joueurs seraient mieux à l'hôtel, mais économiquement parlant, je pense qu'ils ont fait le choix de rentrer. De rentrer, après, le fait de rentrer chez soi aussi, ça peut faire du bien aux joueurs. C'est ce qu'a privilégié le staff d'Épinal s'il devait y avoir un match 4, de rentrer le mercredi soir à l'issue du match 3. Ouais, c'est ce que Nico Martin disait dans les colonnes de Vosges Matin. D'accord. Voilà. Bah, c'est aussi clairement le seul match des playoffs où les deux équipes peuvent se le permettre. Hein. Ouais. C'est pas à Brest où vous allez taper l'aller-retour dans la nuit. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Même si d'aventure celui de Strasbourg ou d'Épinal qui passera en demi-finale devrait défier en toute logique le premier de la saison, donc Dunkerque. Ouais. C'est pas le bout du monde, mais bon. Ouais, voilà. Mais c'est trop loin. Ouais. C'est trop loin pour envisager un retour, hein, clairement. Il faudra dormir à l'hôtel sur Dunkerque ou dans les proches environs. Alors qu'on a vu, les techniciens de la patinoire sont à l'œuvre. Elle a du mal à sécher cette glace et elle ne permet pas de reprendre le jeu. Le palais collerait et resterait immobile sur la glace. C'est pour ça qu'on attend un petit peu la reprise pour ce troisième tiers-temps. Ouais, petit coup de raclette. Et le public qui donne de la voix. De faire patienter tout le monde. Ouais, ça c'est pas top pour les joueurs par contre qui étaient prêts sortis du vestiaire. Maintenant il faut se refroidir un petit peu. On se refroidit. On attend. Alors une petite info d'une joueuse féminine, Léa Berger. On vous en avait déjà parlé. Elle était alsacienne, hein, née à Mulhouse, qui a fait ses gammes à Épinal, qui est désormais expatriée au Québec et qui a été retenue pour participer au prochain Mondiaux Elite avec l'équipe de France. C'est la deuxième fois que les Bleus, eux, participent au Mondial Elite. On se rappelle qu'elles étaient venues il y a 2019, Stéphane. Oui, c'était ça avant le Covid. Avant le COVID, toute façon, donc 2019, je pense effectivement. Ils étaient venus jouer à disputer ce tournoi avec la Slovaquie, la Hongrie et la Norvège. Un gros tournoi, une grosse ambiance. Et l'équipe de France féminine avait clairement tapé dans le cœur des supporters et avait d'ailleurs bien remercié les supporters à la fin du tournoi en leur dédiant une petite chanson sympa. Ouais, grosse ambiance à Épinal qui avait pu voir du coup débarquer l'équipe de France masculine. Ça c'était il y a quelques mois, l'équipe de France de Philippe Boson. Donc le Mondial Élite féminin, ça sera du 5 au 16 avril au Canada pour Léa Berger. Attends toujours sur la glace de poisson près que ça veuille bien sécher un petit peu. Alors c'est un problème récurrent, hein. Je ne sais pas si c'est fin de saison aussi pour il y a forcément les chaleurs extérieures et aussi le fait, on a une patinoire qui a une verrière et forcément ça fait un effet un peu loupe. Alors dès qu'il y a du soleil, je sais qu'on a des difficultés à refroidir cette glace. Alors est-ce que ça vient de là, je ne sais pas, mais en tout cas effectivement ce soir...
surtout dans ce troisième tiers, j'ai l'impression que... C'est vrai qu'on a pris 10-15 degrés en quelques jours, donc forcément... On était à, je crois, pas loin de 18-19 cet après-midi. Ouais. Température printanière en pleine série des playoffs. Allez, on se refroidit pas dans les tribunes non plus. Alors, est-ce que ça a l'air de pas trop mal? Encore un peu brillant dans les virages. On n'est plus dans le vieux poisson pré où on l'évoquait avec Jeff la semaine dernière, où les joueurs tournaient pour chasser le brouillard qui allait sur la glace. Après, il y a eu l'époque des ventilos fixés au plafond. Ouais, il y avait un mauvais éclairage. Il y avait. C'était une autre époque. Hein. Tout à fait. Il faut remercier quand même la communauté d'Aglo pour cette belle patinoire qui nous ont fourni un bel outil de travail avec salle de muscu, avec bain froid dans les vestiaires pour l'équipe première spinalienne. Avec plein de belles choses. On a des bons souvenirs de cette ancienne patinoire, mais c'est vrai que là c'est quand même un autre outil de travail. Après, c'est indispensable pour qu'un club comme les Wildcats se développe, d'avoir vraiment toutes ces infrastructures et du temps de glace. C'est pour ça qu'on en a parlé au match contre Dunkerque, qu'il se pose la question de refaire une glace sur Épinal. Allez. Est-ce qu'on est prêt, messieurs? Ouais. Le corps arbitral reprend sa place. Alors, on est en train d'essayer de regarder les résultats des autres sporco vosgiens. Puisqu'on vous l'a dit, je crois que le deuxième match de quart de finale des playoffs, là ça débutait qu'à 19h30, quelque chose comme ça. On essaiera de vous tenir au courant, sachant que vous le savez peut-être, en football, l'équipe d'Épinal étreint son maillot de leader de National 2 ce soir à Saint-Quentin. Ce sera un bon résultat à suivre. Il y a aussi les Louvres qui disputent les playoffs d'élite à Sens. Mais pour l'heure, on est reparti sur la glace de Poisson-Pré. Ah, petite erreur. Urchak, oui, c'est pas. On balance contre la bande et il n'y a personne pour rattraper de l'autre côté. On joue à 4 contre 4. Forcément, l'ailier de l'autre côté n'est pas là. Duras, attention à lui. Joueur d'expérience et diablement efficace. Sozanski, c'est sorti. Et comme convenu, Strasbourg qui pousse dès l'entame. Ouais. Olive en relais, le buteur strasbourgeois pour le moment, avec Duras. Qui tente sa chance, c'est à côté. Lancer, mais ouais, des accès, ça va revenir jusque derrière Yadlovski. Pour le coup, le palais glisse bien maintenant. Ouais, ça a l'air d'aller. Vous avez pu le constater. Tour de glace sur ce lancer de Duras. Avec le pressing, attention, mauvaise sortie. Ouais, ça reste en zone. Mais Strasbourg peut reprendre le contrôle du palais. C'est Georgi. Encore une fois, il s'est fait. Bon pressing de Markovic. Il s'est fait chasser. Anthony Rappen qui fait parler les épaules. Voici Georgie, c'est sorti. C'est un beau bébé. Hein. Georgie, oui. C'est oui. Mensuration, mais. C'est que le staff spinalien avait été en contact avec lui. Pas cette saison, mais la saison d'avant pour le faire venir à Épinal. À 82-87 kilos. Ouais, c'est un beau bébé. Il est passé par Neuilly, je crois, non, avant d'être à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, non, c'est un joueur utile dans la zone défensive et dans les tâches. Donné à la relance. Personne sur la trajectoire. Et Il y a quelque chose qui est sifflé. Partir dans la zone d'Épinal. Alors, je sais pas ce qui se passe. Non. La tape de Marc sonne. Je pense qu'ils font appel à l'arbitre. Voilà. Oui, voilà. Plusieurs coups de buzzer là. Une incompréhension entre. Ah non, il y a la balustrade qui a bougé et du coup la table de marque fait appel au corps arbitral pour lui signaler que ça pourrait être un éventuel danger. Ouais, au niveau de la prison, porte, de la prison de l'étoile noire. Et c'est les épaules d'Anthony Rappel qui ont dû faire beaucoup de mal. Impact dévastateur. Le plexi n'a pas aimé. Poids plume, mais lourd quand il charge. Alors, quel souci?
Est-ce que ça mérite l'interruption? On renvoie les joueurs vers leur banc. On avait déjà pris du retard avec la glace. Cette fois-ci, c'est le plexi qui fait des siennes. Les équipes de la patinoire qui vont venir vérifier tout cela. Et le corps arbitral qui explique à chaque banc ce qui se passe. Ça ralentit bien le rythme de, cette, de ce troisième tiers. Alors est-ce à l'avantage d'Épinal ou pas? Ça je ne sais pas, mais c'est jamais très bon des matchs qui sont hachés comme ça. Pour le beau jeu, on peut pas dire que ça soit une bonne chose. Alors, on a notre caméra mobile qui va peut-être aller faire un tour du côté de cette porte. On va voir ce qui se passe. Et il est évident qu'on peut pas jouer si un morceau de la bande est défectueux et que cela impacterait peut-être les joueurs. Soit arriver à emboîter ce plexi ou à le remplacer. Ah bah alors là, ce serait une autre paire de manches parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit souvent en France. Alors en NHL, il y a souvent un plexi qui vole ou qui casse sur un shoot. On va dire que c'est plus courant, bien que ça soit pas encore. Mais alors dans nos petites patinoires françaises. En Suisse, je l'ai vu aussi l'autre jour, mais alors en France, Est-ce qu'il y a un plexi d'avance au cas où? Il me semble que c'était arrivé il y a quelques années et qu'on avait mis une planche en bois en réparation provisoire. Voilà. Mais là, en plus, c'est au niveau d'une porte. Alors, c'est le plexi qui est sorti complètement de ses gonds. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est des vitres épaisses de plusieurs centimètres. Il ne faudrait pas que ça tombe sur la glace ou que ça cause un défaut de protection. Ouais, ça a l'air d'être bon. Le public... Ouais. Les ravis. Le joint se fait, parfait. C'est parti, ça va reprendre. Réengager. C'était donc l'objet du buzzer de la table de marque. C'était ce souci. Effectivement, les arbitres n'avaient pas pu le voir. Ils allaient de nouveau engager en zone spinalienne. Et Lucas Bonny, qui avait un tout petit retard à la fin du second tiers-temps au niveau des engagements gagnés. Par contre, on n'arrive plus à fermer la porte. Si, c'est bon. Allez. Décidément, c'est problématique. Hein. Ouais. Que d'attente. Ah ouais, là. La semaine dernière, c'était les palabres d'arbitrage. Là, c'est nickel au niveau de l'arbitrage. C'est presque mieux quand même. Là. C'est quand même plus plaisant. Je préfère. Le problème technique, les discussions stériles de comptoir. Allez, c'est reparti. Ouais. Strasbourg à l'offensive. Ligne bleue. Forest. Franck. Ouais, bonne défense. Bonny bien, bien sur son homme, n'a pas lâché Franck. Volé avec côté. Côté dans le coin. Chercher eux, finalement il a tenté de relancer. C'est récupéré par Nechala. On voit derrière pour permettre de changer. Dégagement, c'est mal joué parce qu'il est, dans sa zone derrière la rouge. Nechala, il a pas passé le milieu de terrain. Il y a un joueur sur la droite. Alors soit il peut passer à ce joueur-là ou soit il passe derrière la rouge pour envoyer au fond. Là, il s'est débarrassé un petit peu trop vite du palais et du coup, le jeu va revenir dans le camp spinalien et surtout les joueurs des Wildcats ne pourront pas regagner le banc. Donc Strasbourg va pouvoir remettre la pression. Une équipe spinalienne plus fatiguée forcément. Donner faute. Lobstein. Sénéchal qui cherchait. Attention. Lobstein. On est ressorti. Elle est sortie, là il faut changer vite. Voilà. Parce que là elle s'est sortie, mais suite à un mauvais contrôle de l'étoile noire. Lobstein. Vous cherchez Sénéchal, pardon. C'est la dire. Nathan Gantz à la récup avec Maxime Ritz. Ouf. Intervention en pleine autorité de Maxime Ritz. Il n'est pas grand non plus là, mais ça a boosté dans l'impact. Lucchini, Lobstein. Limite hors jeu, mais c'est bon, ça joue toujours. Attention, Duras qui traîne derrière la cage, qui se retourne. Vidal qui est. Il faut sortir de là. Sozanski. Pression là, ouais. Coup de mou dans la défense des Wildcats. Ames, oui. Avec son allonge, arrive à pousser le puck en dehors. Ça sera suffisant pour passer la bleue et redonner un petit peu d'air.
Alors qu'on opère un changement côté spinalien. Voilà, ça y est, ils ont réussi à rechanger pour se donner un petit peu d'oxygène. Sosanski s'est dévié par Fugéric. Allez, Ames. Ouais, il faut arriver à sortir, messieurs. Strasbourg qui presse. Oh bah, si. Ouais, passe de Nemchek dans les. Je crois que Max Martin s'est fait très mal. Ouais, si on se blesse entre nous, là, c'est compliqué. Il rentre en rampant sur le banc. Attention, le tir là, oui. Repoussé par Bonvalo. Ouais. Ah, faut se ressaisir là parce que Épinal est sous pression. Ouais. Grosse domination strasbourgeoise. Là, les Spinaliens sont la tête sous l'eau. Check. Ouais, on n'a pas réussi à trouver. Alors, Tchak, Sosanski. Ouais. Attention, messieurs, ça sent pas bon. Heureusement, Antoine Bonvalo. Ouais. Veille au grain. Veille, ouais. Avec plein d'autorité qui va permettre de changer les lignes et faire du bien à son équipe parce que là, ça a été 3 minutes très très difficiles pour les Wildcats. On s'attendait au pressing de Strasbourg, hein, c'est logique, ils sont menés 3-1. Et tout à fait, c'est à eux de faire le jeu là. Hein. C'est à eux de faire le jeu, c'est le match 1, mais là, Épinal a souffert. Alors, des fois, souffrir et faire le dos rond, c'est bien aussi. Je crois que ça dure trop longtemps quand même. Mais voilà, c'est ça. On est reparti sur les mêmes bases. Allez. Ça, Ben, on a réussi à sortir cette fois. Toujours le Sepalais en possession des Strasbourgeois. Ouais, bien, c'est repoussé, mais ça revient aussi vite. Rosina. Les rebonds sont favorables aux Alsaciens. Ouais, un jeu un peu brouillon en ce début de tiers-temps. Allez, Markovic. Et il a passé la bleue. Il cherche du soutien qu'il n'a pas. À peine au centre. Il a bien temporisé, Markovic. Il n'avait pas possibilité d'y aller tout seul. Il a gardé le puck une dizaine de secondes, chercheur à peine. Le tir a été pris. Et Épinal a gardé le contrôle du palais. Changement de ligne avec la troisième, emmené par Armand Jaya. Lucas Bonny tente sa chance, c'est contré. Jaya à nouveau. Bonny. Ah, c'est dommage, ça aurait pu faire avec Alexandre Lubin. C'est bien combiné aussi. On gage dans la zone de Strasbourg. Quatrième bloc. Un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre. Max Martin est de retour, bonne nouvelle. C'est un guerrier de toute façon. Gantz qui avait réussi à tenter sa chance. Petit tir vicieux, bien arrêté de la botte gauche par Thomas Yadlowski. Kevin Pernault qui fait le show là-bas dans le coin. Hop. Et il reprend le palais. Kevin. Attention. Il y a trois poumons, Kevin Pernault ce soir. Et c'est encore lui qui est là. Là. Ouais. Là, et il l'a vu. Il aurait pu se faire mal en plus. Ouais, c'est dangereux. Une chute à proximité de la bande, là, à un mètre de la bande, c'est comme ça qu'on arrive avec des fractures des cervicales ou des choses comme ça. Allez, pénalité appelée contre le numéro 7. Il s'amène ça. Et le public spinalien qui s'enflamme. Powerplay à venir côté Épinal. Allez, c'est la bonne idée de glisser ce palais au fond, là, ça commencerait à sentir vraiment bon le premier point de la série. Fugéric. Ozina, Fugéric à nouveau. Ozina. Allez, faut attaquer la cage là. Côté. Tenter sa chance, Alex Lubin en se rapprochant. Allez, le palais toujours spinalien. Il renvoie vers Rehorchak. Sort pour Rosina. Il va tout changer sur Dominique Fugéric. Nemchek qui était sorti de la boîte, il retourne. Allez, un shoot, messieurs. Nemchek qui est un peu trop désaxé. Il se remet dans la cage, il y a du monde. Il se remet devant. Fugéric. Allez, messieurs, on attend trop pour tirer là. Ouais. Ouais, de nouveau, on retombe un petit peu dans les travers à faire tourner indéfiniment, mais pas de shoot pris. On cherche l'angle parfait. Allez, reste ouverture. Une minute, 10 dans faut y aller. Supériorité. Ouais, je comprends pas que quelqu'un comme Rorschach n'attende pas sa chance plus souvent. Ça passait trop là. Et voilà. Et on est perdu. Il y a un bon pressing strasbourgeois, mais il y a quand même quelques petits laps de temps où il pourrait déclencher un tir. Hein. Effectivement, je comprends pas que ça. Je pense que ça a dû être les mots du coach quand même. Hein. On avait vu la différence entre le premier tiers et le deuxième tiers, et là on retombe dans les vieux travers, comme tu dis, Stéphane. À peine avait tenté de défier Yadlowski en solo avec sa vitesse. Ames, ouais, qui renvoie au fond, il n'y a pas trop de solutions, il était sous pression là. Michela. Il va reprendre la position préférentielle dans le slot, Michela pour masquer Yadlowski. Allez.
Un bon tir de Preston Hems. Oh, c'est dommage. Ça va la cage. Et c'est toujours Spinalien. Ça, c'était bien joué. Hems à nouveau. Et le but de Preston Hems. Le voilà, le quatrième. Encore un défenseur. Oh, le boulet de canon de Preston Hems. Fantastique. Avec un gardien masqué, pardon. Il n'a rien vu passer, Yadlo. Ouais, là. Le boulet de canon du sniper US. À 12 minutes de la fin de ce match. Épinal qui mène 4-1 maintenant. Et ouais. En pleine lucarne. Tout droit. 4-1 là. À 12 minutes à jouer. Avec un match ça sérieux. Ça commence à sentir bon. Ouais. Ça commence à sentir bon. Voilà. On ne peut pas vendre la peau de l'ours, mais. Bonne. Attention, là, c'est bien joué, Audric Donnet. Plein de sang-froid, Audric, sur ce coup. Dommage, interception de Sosanski. Allez, il faut rester dans ce match. Strasbourgeois qui vous remettent un nouveau coup de boost. Hein, maintenant, c'est. C'est les Rovatou. Ils vont peut-être s'énerver aussi un petit peu. Il faut rester dans notre match, nous. Il faut rester dans le match, ouais, c'est ça. Au jeu de Sénéchal, le tir. Bien bloqué. Contré, bloqué, ouais. Audric Donnet, j'espère Donnet que c'est pas son pied douloureux. C'est sacrifié, Audric, mais ouais. Parce qu'il s'est. Il s'est fait les fractures aux deux pieds, ces deux dernières années, Audric. Il était un peu en rotation, là, j'espère que. Clairement, il est en douleur. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Michalak qui a loupé le palais. Fausse queue, c'est sa deuxième ce soir. Lui aussi d'un gros apport offensif, un défenseur offensif très important qui a pris une dimension encore supérieure à l'an dernier cette année. Pas d'erreur dans le slot maintenant. Il faut la pousser, voilà, c'est bon. C'est récupéré. Oui, tout de suite. Et Max Martin. Oh le match. Là, c'était beau. Ah, ça aurait été beau qu'il marque. C'était le clou de la soirée là. Elle est en feu. Ah, elle fait un super match. C'est pas l'homme du match, c'est la ligne du match. Ah, ça fait plaisir, hein. Clairement. Ouais. Les trois Spinaliens, là, ils ont un écho considérable dans ce match. Les défenseurs et cette quatrième ligne sont particulièrement en vue ce soir. Parce que finalement les buts Ames, on en est Chala qui a marqué également. Juste Nemchek qui marque le premier but. Premier en power play, Nathan Gans. Allez, avec les Strasbourgeois qui se redirigent vers l'attaque. Et Nechala. Deux points pour Nechala ce soir, un but, une passe. Lui aussi fait un très très bon match ce soir dans ce rôle d'attaquant en power play pour masquer le gardien. Il est finalement bien mieux dans ce rôle-là qu'à la bleue, malgré le fait qu'il ait un très bon shoot. Et il est plus décisif dans ce rôle de centre à masquer le gardien. C'est une bonne innovation dans la saison, de l'avoir placé à ce rôle-là. Et du coup, c'est Anthony Rappen qui prend la place de défenseur à la bleue sur le power play. Ouais, il est un peu meneur de jeu là. C'est vrai que c'est peut-être une bonne stratégie de les avoir placés comme ça. Un engagement disputé. Il va être à refaire. On n'a pas trop eu ce soir non plus des engagements à remettre en jeu. Jéric Olive, le duo va de nouveau s'exercer. Et c'est le Strasbourgeois qui l'emporte. Le lancer, il était masqué, hein. C'était dangereux. Oui, de la suite. Ronge de Fujerik à l'erreur, check peut-être pour tuer le match. Bel arrêt de Yadlovski. Il est en bout de course. Et sans rebond. Pas de rebond là, 5-1, c'était plié, hein, 10 minutes de la fin. Voilà l'action. Allez, Yadlovski qui a bien suivi le 13 arrêts sur 17. Lancé de Donnet repoussé du bouclier par Yadlovski. Et 18 arrêts sur 19 tirs pour Antoine Bonvalo. Strasbourgeois toujours. Giorgi intercepté par Epinal qui part en contre avec Rudzan et qui passe la bleue. Oui. Derrière lui pour Rappen. On a cherché le troisième à Markovic. Presque était trop gourmand. Là. Ouais.
peut-être dû tirer Anthony, surtout qu'il a un très bon lancer, mais la passe était belle aussi. Attention, là, on oublie un tout petit peu Sosanski. Ouais, et Georgie qui s'est retrouvé en poste d'avant-centre. Il avait l'axe grand ouvert là pour le deuxième but, le Strasbourgeois. Heureusement pour les Spinaliens, il a raté la mire. Lubin, il va tout seul. Alex. Donc un peu d'inspiration dans la finition. Et puisqu'on est dans les arrêts, je tiens à souligner le blanchissage d'Isaac Charpentier hier soir avec Nice. Joueur spinalien formé au club et qui performe avec les Aigles. Bravo à lui, ouais. Isaac, le frère de Martin, le capitaine des Wildcats. J'espère voir un jour. Je l'espère aussi. De nouveau à Poisson Club. Bon, on lui souhaite évidemment de performer au plus haut niveau. Pourquoi pas aux côtés d'Antoine pour survivre une doublette 100% spinalienne. 100% spinalienne, ouais, ça ferait un gros duo de gardiens. Tout à fait, avec une belle concurrence. Et un beau fond d'échalas sera le plus. Ouais, dégagement interdit, même signalé par Madame Chérou. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Que pour le moment, Épinal maîtrise plutôt bien son sujet. Ouais, clairement, des deux dernières années, on n'a jamais vu Épinal maîtriser autant son match contre Strasbourg. Et encore une fois, on ne s'est pas rué à l'assaut. Et... Non, mais ils ont su être décisifs au moment où il le fallait. Mmh. C'est assez rare pour être souligné. Après, Strasbourg a plutôt bien défendu aussi. Hein. On a vraiment profité des quelques erreurs défensives de Strasbourg. Chacun avec ses armes. Tout à fait. Max Martin, l'objectif affiché d'Épinal, c'est de faire clairement mieux que l'année dernière. C'est déjà fait pour ce qui est de la saison régulière, parce qu'Épinal a fini 7e l'an passé contre 4e cette saison. Puis les Wildcats aimeraient vraiment dépasser ce stade des quarts de finale. Ils avaient été battus au match 5 par Cholet. Cholet, ouais. L'an passé. Ouais, rester dans le top 4 des playoffs, donc ça veut dire accéder aux demi-finales. Puis après là, c'est que du bonus, mais. Ouais. Demi-finales qui auront lieu à partir du 1er avril. Il faut gagner 3 matchs pour arriver là, pour avoir le droit de disputer ce carré final. Et, freiné par Réorchak. Si le score en reste là, ça fera déjà un point dans la musette. Mmh, ça serait bien. Et de toute façon, à domicile, on n'a pas d'autre choix si on veut aller loin que de gagner des matchs à domicile. Ouais. C'est très très important. Le minimum était d'en prendre un. Et je pense que Strasbourg est venu chercher une victoire à Épinal. Ouais. Ouais. Ça sera peut-être pas ce soir. Pour clôturer les matchs 3 et 4 à domicile. Ouais. Oui, parce que c'est sûr que psychologiquement, déjà quand on perd les deux premiers, il faut se dire qu'il faudra dans tous les cas aller au cinquième et revenir ici au Poisson Pré. Ouais. Déjà avant les deux, bien sûr. Puis, ouais, voilà, c'est ça. Après, plus droit à l'erreur. On joue avec la peur au ventre. Ouh là là. Ouais, mauvais geste. Ouais. Un petit peu avec une projection contre la bande. Le premier de la soirée. Hein. Et un beau geste du joueur strasbourgeois qui beau va taper dans les, ça, oui. Ouais, dans les jambières. Match derby. Qui se disputent dans un bon état d'esprit aussi, je trouve. J'avoue que je craignais beaucoup plus d'accrochage et un jeu beaucoup plus haché comme celui qu'on a pu voir contre Dunkerque. Mais là, on n'est pas du tout dans ce style de jeu-là pour le moment. Et c'est bien. Après, encore une fois, l'arbitrage y est peut-être pour beaucoup aussi. Hein. Ils tiennent leur match depuis le début, les arbitres. Et chaque fois qu'il y a une faute, c'est sifflé de toute façon. Que ce soit de l'un côté ou de l'autre. Zane. 2 minutes de pénalité au numéro 7. Metsa Issa de l'équipe de Strasbourg qui recharge. C'était pas bien joué. Markovic. Oh oui. La déviation de Nechala. Le tir à nouveau de Rappen. C'est derrière. Ça ne savait plus où était le palais. Yadovski là. Donc un style totalement différent en powerplay des deux équipes. Épinal a un joueur derrière la cage strasbourgeoise, tandis que Strasbourg joue plutôt en parapluie avec 3 hommes à la bleue et 2 hommes devant la cage. Oui. Markovic, il a. Oh, oui, c'est bien joué. Oui. Super. Passe de Markovic pour Nechala. Cette fois. Deuxième fois. Les jeux sont faits. C'est magnifique. Le premier point sera spinalien. Oh là là. Superbe action. Ça, c'est beau. Superbe conclusion de Thomas Nechala. On se régale ce soir. Superbe.
Voilà, une nouvelle fois en supériorité numérique quand on vous disait l'importance des unités spéciales. Final, en playoff. Nouveau top scorer, il s'appelle Thomas Nechalas. Tout à fait, il fait un gros match ce soir. On ne l'aurait pas cru, mais dans ce rôle-là de finisseur, il est au top. Thomas Je crois que l'homme de la soirée est là. Oui, ouais, pour moi, côté spinalien, ouais, clairement. Ouais. Nechalas qui a déjà marqué 4 buts en saison régulière. Il en a 2 ce soir. Voilà. 2 de plus ce soir. Oui. Ouais, c'est plus un défenseur qui est défensif, contrairement à ses compères Rudzina et Preston Hems. Mais ce soir, il fait vraiment un beau match et surtout très en vue en powerplay. Ouais, cette utilisation en powerplay est vraiment judicieuse là. Chapeau au coaching staff parce qu'ils ont. Et je sais que ça lui tenait à cœur de marquer contre cette équipe de Strasbourg. Oui, il a joué là-bas. Il a joué là-bas aussi. Ouais. J'ai une grosse pensée pour lui. Juste avant de venir à Épinal. Une bonne récupération côté spinalien. Et on va relancer la machine. Jaya, 5-1, on ne s'attendait pas à pareille fête. Hein, non, ouais, ouais. C'est assez rare pour être souligné. Ouais, parce que Strasbourg n'a pas vraiment lâché le morceau. Hein. Ouais, bon jeu encore d'Antoine Bonvalo, beau lancer de botte. Bank, Ritz. Ouais, ils ont été aussi propres défensivement devant leur cage. Hein. Antoine a eu du boulot, mais ouais. Des arrêts peut-être moins impressionnants et moins difficiles que lors des matchs précédents. Il a fait son match aussi, hein, Antoine Bonvalo, clairement. Ouais. Mais il a été aidé par sa défense. Il aura très bien. Un bon pourcentage d'arrêts ce soir et vraiment un bon match. Oh, c'était ouais, encore une belle opportunité pour la quatrième ligne. Sénéchal. Ouais, bonne défense, c'est bien joué. Qui s'amène le palais, mais c'est récupéré par Sénéchal en zone neutre. Ça fait le tour. 5 minutes à jouer. Berdo qui relance, intercepté par Mansa. Donc clairement, il faut gérer. Le public se fait plaisir et chante. Strasbourg sait que le premier point ne sera pas pour ce soir. Tchak. Il faut économiser des forces aussi côté strasbourgeois. Ça sert à rien de se ruer à l'assaut. On ne montera pas les 4 buts. Là, ça serait vraiment le miracle. Interception. Oh. Allez, attention à ne pas se découvrir quand même. Deuxième, ouais. Il est tout seul, Rousina. C'est à côté. Il avait suffisamment gêné pour qu'il ne puisse pas cadrer son tir. Cross haute sifflé. Ça va faire 1-0 pour Épinal dans cette série. Rien n'est fait. Il vaut mieux commencer par une victoire. Faute sur Rehorchak, a priori, cross haute sifflé. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il allait discuter avec l'arbitre et qu'il lui a dit qu'il n'y avait pas faute. Et que là, ils sont en train de discuter. Très sportif et, ouais, et si c'est très, le cas, c'est très sport. Ouais. Moi j'ai vu ça qu'une fois, c'était Kyle Makar, ouais, le joueur d'Avalanche. Voilà, ouais, c'est ça. Chapeau Peter. Ouais. Et bel état d'esprit, les joueurs de Strasbourg ne s'y trompent pas. Et c'était la seule erreur d'arbitrage du match. Ouais, mais voilà, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut leur rendre. Il faut rendre hommage à un bon arbitrage comme on a pu le voir ce soir. Et vraiment un match dans un bon état d'esprit. Dans un derby, on craint toujours un peu des débordements. Ça n'a absolument pas été le cas ce soir. Et là, cross haute sifflé à tort et Rehorchak super sportivement qui signale non, il n'y a pas faute. Du coup, les arbitres annulent. Et évidemment, les joueurs de Strasbourg ont apprécié le geste. Le geste, hein. Il n'y a pas de faute. C'est ça. Allez, sans en suivre par-dessus. Charpentier là, pour le dégagement. Par au-dessus. Il sort ce palais. Alors, on va continuer à jouer, mais sans mettre toute l'intensité, bien évidemment. Ouais, côté d'Épinal, en tout cas, il n'y a plus rien à, c'est pas à rater ce soir. Ni l'une ni l'autre des équipes. Il faut éviter avant tout une blessure, là, maintenant, clairement, sur les 4 minutes là. Strasbourg a peut-être envie de sauver un petit peu l'honneur en revanche. Il faut déjà penser au match de demain. Comment gérer cet avantage pour les Spinaliens et comment essayer d'égaliser la série pour les Strasbourgeois. Bon, c'est Sosanski. Repoussé. Allez, toujours pour l'étoile noire. Sosanski à nouveau. Gantz, non, il n'a pas contrôlé le palais.
Mais l'adage des playoffs, c'est une fois de plus vérifié. Hein. Épinal, on l'avait dit, deux défaites dans cette saison, deux défaites la saison dernière et cinq défaites consécutives contre Strasbourg. Et ce soir, il n'y a pas vraiment eu photo quand même, à part le premier tiers. Autrement, les Spinaliens ont été à leur affaire et ont totalement maîtrisé le match. Et va mettre fin à cette série de cinq défaites consécutives en championnat en D1 contre l'Étoile Noire. Ce qui me fait le plus plaisir ce soir, c'est voir qu'on a enfin pu ajuster notre tactique sur faire déjouer les sur celle de Strasbourg, parce qu'au lieu de se ruer à l'assaut et de se faire contrer systématiquement, on a joué différemment et ça a été payant. Et Orchak qui fait tourner. 2-30 à jouer. Attention, on va pas faire d'erreur comme ça. Le turnover à la ligne bleue. Chal, ouais. Oups. Attention, c'est la qui traîne. C'était un peu fuyant là. Et Orchak, même si le but n'a pas d'importance en. Non, bien sûr, bah, petit pour Antoine Monvalo. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Ça. Attention. Ouais. Ah, pénalité, non. Il laisse jouer, monsieur l'arbitre. Vous pouvez quand même pas faire grand chose sur le but alsacien. Non. Qui était clairement masqué. L'étoile noire était un joueur à un de plus. Bah c'est vrai que sur les buts, côté Strasbourgeois, pareil, finalement, Yadlovski en prend 5, mais il est pour moi coupable sur aucun des buts. Non, le seul qu'il aurait pu arrêter sur exploit personnel, c'est le break de Nemček, mais voilà, ça restait du 1 contre 1 en break, hein, un tir de pénalité, ni plus ni moins. Charpentier, Poisson prêté debout pour encourager les Wildcats pour les dernières secondes de jeu. Sozanski, on aura beaucoup vu ce soir. Ouais. La relance. C'est tellement un des joueurs les plus en vue côté strasbourgeois. Ouais, Sozanski, Oli, oui. Buteur. Mmh. Ça a été les deux meilleurs joueurs strasbourgeois, ouais. Yadlovski a moins fait le show que d'habitude, et tant mieux pour les Wildcats. On va pas s'en plaindre. Non. Trudeau aussi. Trudeau, ouais, était étonnamment discret. Ouais. D'habitude, il est discret, mais toujours là pour surgir tel un diable de sa boîte et planter la banderie. Mais là, ce soir, non. Il a moins marqué quand même cette saison que les autres saisons. Ouais. Clairement. En termes de pointage, ouais, 24 points, mais 9 buts seulement, j'ai envie de dire. D'habitude, il est sur des. L'an passé, il était à 25 buts et 21 assists. Ouais. Effectivement. Il a fait une saison beaucoup moins incisive que d'habitude. Aboutie. Peut-être l'âge qui commence à. Je sais pas quel 31. Âge. 31 ans, ouais, non, c'est encore. Encore un jeune homme. Une pénalité vient d'être appelée. Ouais, pénalité contre Strasbourg. Et Épinal, il a mis les deux, l'arbitre. Il y a Maxime Martin qui s'est dirigé vers la boxe. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Non, là j'avoue que j'ai pas. Non, on discutait, désolé. Le jeu qui va se poursuivre à 4 contre 4. 43 secondes, bon, ça sera deux pénalités totalement anecdotiques de toute façon. Le match est plié. Épinal marque le premier point de la série et mène 1-0. Match 2 demain soir à 19h à Poisson-Pré. Et une belle communion du public avec son équipe. Alors, pénalité à Maxime Martin pour retenir. Dernier. Oh oui, bel arrêt encore d'Antoine Bourvalo. Dernier shoot, dernière parade. En reverse, mitaine main gauche sur côté droit. Qui ne laisse pas de rebond. Trudeau, on en parlait. À l'image. Il va me faire mentir. C'est obligé. J'ai dit du mal de lui, il va marquer un but. Si il veut en mettre un, vaut mieux qu'il le mette ce soir. Hein. Oui, voilà. En même temps, je lui en voudrais pas s'il le marque ce soir. Non, c'est un super, super joueur en efficacité qui a marqué, je pense, quasiment justement. À chaque fois qu'on l'a vu ici. Alors, est-ce qu'il va tenter ouais, et voilà. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais vaut mieux qu'il le mette à 5-1 ce soir pour Épinal. Il a dribblé tout le monde. Je plaide coupable. Beau but, super but canadien, 5-2 qui réduit l'écart pour le. Et on l'a pas vu de la soirée. Hein, non. Il a une occasion, elle est au fond. C'est toujours. C'est le. Les grands joueurs. Le buteur, ouais. On les voit pas. Ah ouais, on l'a pas. Ils sont là dans. Alors dans les moments pas importants, mais ils savent se présenter quand il faut. Après, voilà. Et fin du match. On laisse filer le palais.
Et victoire d'Épinal donc 5-2 et 1-0 pour les Wildcats dans cette série des quarts de finale. Bon, Épinal a vaincu le signe indien, Nico, et puis s'est lancé. Ouais, tout à fait. Une belle partie pour Épinal et qui va dire présage du beau pour l'avenir, j'espère. Ouais. Oui. Stéphane, on était souvent déçus à l'issue des derbies, souvent remportés par Strasbourg et sur un scénario pas hyper emballant, souvent, on peut le dire. C'est peut-être le plus beau derby Épinal-Strasbourg que j'ai vu depuis longtemps. Et ouais, beaucoup d'engagement, mais propre. En plus, match, on l'a déjà dit, mais très bien arbitré, ouais. Un très bon état d'esprit à l'image du geste de Mensa et du geste de Rehorchak qui a fait annuler une pénalité. Donc, très beau match, un premier point bien mérité pour les Spinaliens. Et on a hâte déjà de voir le match 2 demain soir. Alors que les joueurs se rendent directement au vestiaire, comme c'est la coutume en play-off, on ne se serre pas la main, on se serre la main qu'en fin de série. Ouais. Et donc il n'y aura pas d'homme du match, il n'y aura pas de. Même si Nejala s'est particulièrement illustré. Tout à fait. Épinal avec un doublé. Du coup, les Spinaliens vont directement aller retrouver leurs supporters pour une petite célébration. On vous remercie d'avoir suivi ce match en notre compagnie. Malheureusement, encore une fois, on ne pourra pas vous proposer en direct celui de demain. Dimanche, mais vous pourrez retrouver le résumé de cette rencontre dans notre journal de lundi, bien évidemment. Et la suite, donc, pour Épinal, ça sera mercredi à Strasbourg, peut-être jeudi pour le match 4, et puis un retour éventuel le dimanche dans une semaine. Voilà, un petit pronostic, messieurs, ou on se mouille pas trop ? Non ? Pronostic, allez, 3-1 dans la série pour Épinal. Ouais, on va être chauvin, ouais. Voilà, je partais sur le même pronostic. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir pour commenter et faire vivre ce match à mes côtés. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve très bientôt sur Vosges TV pour du sport. Salut. Merci à vous. Salut.